Et voilà, on est en direct. On est sur Twitch là, salut. Salut. Ouais, ça y est, on est déjà sur Twitch. Faudrait voir si on peut pas le faire. Hein. Ouais, et non, je t'ai dit sur YouTube. Et salut à tous, et ça va les gars? Vous allez bien? Salut à tous. Salut Tiber, salut Tosh, salut Johan. Vous êtes prêts à gagner des optimismes encore? D'ailleurs, il va falloir qu'on clôture les vidéos optimisme, sinon ils vont pas vouloir nous envoyer l'autre moitié. Hein. Ben oui, il va falloir qu'on fasse ça, que j'ajoute des tâches sur les îlis, qu'on ajoute des tâches, qu'on complète tout ça. On a Et du oui, travail. ouais, il y a du boulot. Ouais. Comme toujours. Tu me donnes. Bon, Oui, alors, il y a quoi? Il y a du on monde pourrait ce le faire soir? en direct. Ça marche pas trop bien parce que là, ça me dit qu'on est 3, mais je vois déjà plus de 5-6 commentaires, donc. Je vais Personnes regarder sur différentes. Twitch. Donc ça vient petit à petit. 10. Nous sommes Oh. 10 pour le moment. Les 10, wow. 3 Ouais. spectateurs, moi je vois. Ouais, moi aussi je vois 3. Bah, là ça marque 3, mais c'est que ça marche pas. Oh, vous êtes 3 ce soir. Ah, c'est chaud. Non, rien que là, il y a plus de 3 personnes qui ont mis un message. En même temps, si on est 3, bah c'est bien, ça fait 3 gagnants directs. Ça fait qu'on distribue à 3 personnes. C'est le beer. Ouais, tu m'étonnes que ça soit le beer. Et ouais, c'est le beer. On a perdu tout le monde. Mais Ah, ça pop d'un coup. ceux qui restent là sont les plus chanceux et sont ceux qui seront riches au prochain bullrun. Ah ouais? Tu te bases sur quoi? Sur des faits statistiques. Faut Ah, ok. jamais abandonner. Never give up. Ouais. C'est ça. Si t'abandonnes pas, tu seras récompensé. Toujours pareil. Effectivement. Allez jusqu'au bout. Soutenez-nous. N'oubliez jamais de faire chauffer la CB pour faire les donations. C'est une blague, Chauffer. évidemment. Depuis le début, on n'a jamais demandé. Enfin, ce que je me souvienne, on a plus donné qu'on a reçu. En termes d'oseille, hein, je veux dire. Par contre, en termes d'aide, en termes de temps, c'est vrai qu'on nous a donné quand même beaucoup plus. La communauté, c'est vraiment une communauté en or. Non, en termes de temps, de soutien, etc. Non, c'est vrai qu'on est chanceux d'avoir des membres quand même qui nous soutiennent chaque jour, même quand le marché n'est pas au plus beau, et pas au beau fixe, je veux dire. Là, c'est cool. Bon, après, au beau fixe, si. Là, on va parler du BTC qui est remonté à 30 000 aussi, avec les ETF Bitcoin qui vont arriver, enfin, qui sont en train d'être demandés, je crois, par des grandes banques. Tout à fait. Si tu voulais commencer direct, moi je croyais que tu Vas-y. allais commencer sur les Sur gentilles quoi? personnes sur Spacey. Ah, sur Spacefi, ouais, non, mais oui, pour expliquer quand même le commentaire de ce matin, pour expliquer pourquoi bah, j'ai fait ce commentaire, simplement parce que j'ai reçu des commentaires de certaines personnes qui me disaient, oui, comment ça se fait? Tu dis 700%, déjà, ça n'est, c'est pas 700%, on est allé vérifier. Je dis, ouais, mais les gars, certes, vous êtes allé vérifier, mais au moment où j'ai fait la vidéo, c'était à 700%. En plus, j'explique bien que forcément, les pourcentages, ils vont varier. Ensuite, on me dit oui, bah, de toute façon, c'est pas tenable. Voilà, c'est la preuve que ça marche pas et tout. Bah non, c'est pas la preuve que ça marche pas en fait. C'est juste la preuve que tout évolue et que actuellement on est en bear. Il y avait une légère remontée au moment où on était rentré dans différents protocoles. Et il n'y a pas que SpaceFi, il y en a plein d'autres qui sont maintenant au plus bas. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des gros apiaires. Quand vous arrivez sur le début d'un projet, forcément, les apiaires sont très hauts parce que vous êtes early. Et si le projet dure dans le temps, ben forcément, les apiaires vont petit à petit baisser jusqu'à peut-être rester raisonnable. Enfin, raisonnable. C'est-à-dire rester aux alentours, peut-être. Enfin, j'en sais rien, mais. Si vous regardez par exemple Osmosis au début, Atom au début, les apiaires étaient bien plus importants. En fait, ce qui compte, c'est la durée dans le temps du projet. Effectivement, il y a des projets sur lesquels vous allez parier qui ne vont pas durer éternellement, qui ne vont même pas durer 6-7 mois, d'autres qui vont durer 2-3 ans, mais ça n'a rien à voir avec les apiaires au départ. Si vous regardez, beaucoup de projets avaient des gros apiaires au départ pour attirer du monde, et puis après, bah, ils comptent sur une croissance organique.
Bah, tu as tout à fait raison, c'est un peu le problème de faire des vidéos, c'est qu'on scelle un instant T dans le temps. Si tu viens regarder la vidéo bien longtemps après, bah, ce qu'on a dit au jour J, et qui était juste quand on le dit, bah, n'est plus juste si tu viens de tomber sur la vidéo 2, 3 mois après. C'est ça, ça va trop vite en plus dans la crypto, ça va très très vite. On donne une information, le lendemain elle est déjà fausse. Elle peut être déjà fausse. Elle peut être Autant de fausse, quoi. tutoriels, oui, mais des conseils de Yale dans DeFi, pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Alors les conseils globaux, c'est-à-dire les conseils qu'on peut donner tout le temps dans la DeFi, pourquoi pas, oui, faites attention, vérifiez la team, etc. Mais si on donne par exemple, si on dit ce qu'on fait, parce que c'est pas vraiment des conseils, mais si on dit par exemple, moi je suis allé sur SpaceFish, j'ai mis tant. Ça ne veut pas dire que j'y suis toujours. D'ailleurs, on fait la plupart du temps, on a fait le suivi sur Discord, on fait le suivi en général de ce qu'on fait. Vous pouvez le voir, des fois on marque, oui, je suis sorti de telle plateforme, oui, je suis rentré, oui, j'ai remis de l'argent, non, j'ai pas remis. Et en général, ça, je l'explique bien sur le channel général DeFi. Alors, je ne peux pas faire une vidéo à chaque fois, parce que si je fais une vidéo à chaque fois, bah, ça va faire énormément de vidéos sur tout ce que je fais, mais j'essaye au minimum d'avoir un minimum de suivi. Non, Mais mais c'est dans tous les cas, en vérité, je pense qu'on va éviter ce genre de vidéo. Enfin, à titre perso, je pense que on va éviter quand même enfin, je vais éviter en tout cas ce genre de vidéo parce que c'est trop compliqué à expliquer après. De dire aux gens, bah, en fait, au tout début de la vidéo, il faut faire 1 heure de monologue pour leur expliquer, voilà ce qu'il faut prendre en compte, voilà ce que vous devez faire. Enfin. Ce que vous pourriez faire, et faites attention parce que ce qu'on dit maintenant n'est pas valable demain, il vous faut aussi que vous sachiez faire vos propres recherches, pardon. Non, non, c'est vrai. Ou mettre des gros disclaimers partout, mais oui. Moi, mettre des Ouais, mais bon, mentions c'est quand même. nul, au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, c'est bien de mettre des disclaimers partout, mais tu sais, au bout d'un moment, ça limite en fait dans le travail en fait, ça va limiter en fait dans ce qu'on veut apporter. Au final, la vidéo elle fait que 30 minutes alors qu'on ce qu'on veut dire dure 4-5 minutes quoi. Et on est obligé toutes les 5 minutes de revenir sur oui, faites attention, oui, faites attention et oui, faites attention. Moi en général, le truc c'est que moi quand je perds de Bah l'argent, c'est ça, ouais. je me plains à personne. Je vais pas me plaindre auprès de quelqu'un d'autre en disant ouais, c'est de ta faute et tout. Bah non, c'est ma responsabilité. Et je suis conscient de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison dans mes investissements. Au contraire, parce que je peux perdre aussi de l'argent. Mais il faut se responsabiliser aussi. Après, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à la fin, bah, tu te retrouves sur des chaînes YouTube. Enfin, soit tu vas proposer que des gros trucs que tout le monde connaît déjà, soit tu proposes des trucs un peu plus risqués. Mais dans ce cas-là, si ça se passe bien, c'est banco. Si ça se passe mal, ça te retombe dessus, tu vois. Après, il faut dire que dans les trucs risqués petits, tu as tellement d'abus, tu peux tellement Oui. facilement faire d'abus, promouvoir des choses où toi, tu n'y crois pas vraiment, mais tu es payé, tu ne sais pas. C'est difficile de faire la part des choses et je comprends que les gens veulent que du lisse et après. Mais du coup, après, c'est les mecs qui font des groupes payants sur des Discord, sur des Telegram, qui se partagent ces trucs comme ça avec des abonnements. Ouais, T'as voilà. des centaines de Discord où tu dois payer 250, 300 euros par mois pour avoir accès à du contenu comme ça. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est du business, quoi. Ouais, c'est C'est sûr, mais parce que enfin. le mec, il va pas, ça paraît logique. Le mec va pas présenter, il va pas présenter un projet tel que SpaceFi, il va pas présenter des projets comme je l'avais pas présenté, mais comme c'était le cas un moment sur Comdex, puis après comme c'était le cas aussi sur Velocimeter, etc. On va pas présenter ce genre de projet si derrière on n'en retire pas quelque chose directement, parce qu'en fait c'est carrément se tirer une balle dans le pied. C'est tu te dis, bon, ben, je présente ces projets, moi j'y vais, j'en parle aux autres parce que je pense que ça peut être intéressant, parce que c'est intéressant pour moi, donc peut-être que ça peut être intéressant pour les autres. Mais le truc, c'est que tu n'as aucun intérêt. En fait, tu prends beaucoup de risques pour zéro gain à la fin. Parce que ceux qui me disent, ouais, ben, tu apportes de la liquidité avec ta communauté, mais qu'est-ce que j'apporte comme liquidité? Il y a déjà 200, 300 000 euros, ce n'est pas avec vos 2000, 3000 euros que vous allez faire exploser la liquidité sur le pool. Malheureusement, je n'ai pas une si grosse communauté que ça pour avoir une influence sur un pool de liquidité. Mais même si en Heureusement France, d'ailleurs. mine de rien, en France, je me souviens des vidéos sur Mars où on était les mieux référencés sur YouTube ou quoi, hein, YouTubeurs français ou quoi. Tellement qu'on faisait des trucs de niche.
au tout début. Enfin bref. Ouais, c'est vrai. Sur les trucs basiques, oui, c'est vrai. Enfin, sur les trucs, pardon, sur les trucs extrêmement précis, là, ouais, on peut vraiment se différencier des autres. Mais sur les trucs basiques, si on commence à parler de TROM et tout, ça va intéresser personne. C'est des vidéos que les gens ont déjà vues des centaines de fois. Au début, on avait une niche, on avait une petite niche sur Atom, puis tout le monde est venu après sur cette niche. On a une niche, c'est vrai, hein. Au début, on était les seuls sur Atom, puis après, tout le monde a fait Atom. On a parlé d'osmosis, après tout le monde a parlé d'osmosis. Enfin, ça c'était au tout début, dans l'ordre chronologique. D'abord c'était osmosis, puis après Atom. Maintenant on va parler de Solana. Tant qu'en Solana va fonctionner, tout le monde va se mettre à parler de Solana, tu vois. C'est pas sûr. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut du Non, monde, mais il faut du monde en vrai, dessus. il y a plein de choses. Hein. On peut parler de Zk Sync, on peut parler de. Salut Tosh, On salut parle Gomo d'optimisme, Sapien, on parle salut de tout le Sajib, monde. salut Yohan. Merci Yohan d'ailleurs pour le Prime, ça fait plaisir. Merci Lado Attardé, c'est qui dit bonjour, c'est qui dit ça? Et bien sûr, Kuma aussi. Moi, c'est moi, Nano, Ryan. Tous les fidèles sont là, ouais. Tous les Et fidèles. Cyber aussi, oui. Je regarde un peu ce qu'il y a. Wow, Bon. merci, Bobo Sapien. T'es un BG. Wow. En plus, il a une villa énorme. Ouais, wow, t'as vu ma villa? Il Avec a un en piano. PowerPoint. Ben ouais, c'est ça, en fait, c'est ce que tu dis, Sajib, est totalement vrai. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas te donner des calls comme on l'a fait, gratos. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière, sinon ils le font pas, tu vois. Ça Surtout paraît logique. quand t'as une petite commune, mais Plus elle est petite, et puis ils essayent de la rentabiliser. C'est-à-dire que c'est ça qui est drôle, c'est que les gros, en fait, ils peuvent se permettre, après, évidemment, ils l'ont mérité parce qu'ils ont accru leur communauté, mais les gros peuvent se permettre d'aller sur des trucs plus globaux. Tout en gagnant autant que le mec qui va aller sur des trucs de niche. Et donc, eux, ils peuvent se permettre en fait d'aller sur parler d'ETH, de Bitcoin, etc., des gros projets qui n'ont aucun risque ou très peu. Et du coup, ils peuvent gagner autant, voire plus, en traitant des sujets qui sont traités par tout le monde. Tout simplement parce qu'ils ont tout simplement une bonne place dans l'espace médiatique. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. C'est clair. Bon, en tout cas, Bitcoin est remonté au 30K. Et oui, c'est vrai ça. Et c'est tout le monde se demandait. Bon, je pense que tout le monde a la réponse maintenant, parce que tout le monde en a parlé. Mais tout le monde s'est demandé, mais d'où ça vient, pourquoi ce gros pump de Bitcoin? Bah, c'est que des bonnes nouvelles. Enfin, bonnes nouvelles, je sais pas en vrai si c'est des bonnes nouvelles. C'est toujours des bonnes nouvelles. Ouais, quand ça monte, c'est une Rel bonne nouvelle. Non, mais d'avoir BlackRock, les grands géants de la finance, les grands méchants qui viennent sur Bitcoin, c'est toujours qui viennent faire un ETF sur Bitcoin. Tu te dis, bon, bah, ça y est, il y a les institutionnels qui arrivent, gros argent. BlackRock, c'est des BlackRock, milliers de c'est milliers, mais c'est des BlackRock milliers de milliers. détient tout sur vos entreprises, hein. Toutes les entreprises du CAC 40 sont détenues, enfin toutes les entreprises de la tech et tout sont détenues par BlackRock. Il y a deux entreprises mondiales, l'une c'est BlackRock et l'autre je m'en rappelle plus son nom, et C'est toi tu dois le Vanguard. savoir, Vanguard exactement. C'est les deux entreprises et en plus de ça elles se détiennent des actions entre elles. Donc c'est vraiment incroyable ça. Là À fait. on est face à un géant qui s'intéresse vraiment au Bitcoin et qui va préparer des ETF, enfin qui souhaite des ETF Bitcoin, ETH et Litecoin, c'est ça? Alors moi, j'ai vu que Bitcoin qu'ils ont demandé pour l'instant. Ils ont demandé que Bitcoin en spot. Il n'y a Mais pas aussi ETH et Litecoin? J'avais vu passer ETH et Litecoin. non, c'est Non? la T'es logique, c'est ce sûr? qui suivra. Mais peut-être qu'il y a eu par contre d'autres ETF qui n'ont été pas de BlackRock, par contre. Ah oui, c'est peut-être pas BlackRock alors. Oui, t'as raison. C'est peut-être pas BlackRock. Attends, si tu veux, je regarde. Vous pensez quoi de Rahoul Pal? Bon, on traitera ça après, ça joue. S'agit, pardon. Je connais pas Rahoul Pal. Enfin, j'ai pas suivi l'actualité. Si... Je vais regarder quand même. Moi, ça me dit quelque chose, mais Rahoul Palmer, c'est ça? Non, Pal. non, Ok, analyste, ok. c'est lui. Co-manager Global Macro Hedge Fund in London. Ok, d'accord. J'ai écouté quelques podcasts. Il est pas si bête. Enfin, disons qu'il sait de quoi il parle.
Mais bon, en bull run, il disait to the moon, to the moon. Et puis bon, là, tu l'entends plus. Et là, il revient, mais ouais, je crois qu'il est vachement derrière Solana. Ah, mais c'est Bon, excellent ça. c'est excellent. Je sais pas si c'est excellent, mais Il nous faut t'es des un peu soutiens dans. quand même. Oui, c'est sûr. Il était dans la clique d'FTX. Pourquoi il nous faut des soutiens? Genre, on est Solana. On n'est pas Solana, mais on a des bacs sur Solana, on va pas le mentir. Attends, c'est de notoriété publique qu'on soutient Solana plus que les autres blockchains quand même. Entre Atom et Solana, c'est vrai que on est C'est quand vrai, même c'est vrai. beaucoup plus proche de ces cryptos que de AVAX ou de je ne sais quoi. Bon, je vais pas citer les noms, je ne vais pas me brouiller avec les autres, mais voilà quoi. Tu es pas proche de Polkadot? Ah, moi, je dis rien. Moi, j'aime bien. Je n'étais pas un aficionado de Solana, mais quand tu regardes vraiment ce qu'est Solana, tu ne peux que adhérer. Mais c'est vrai Bah, qu'au départ. Mais bon, ouais. bref, on s'éloigne un peu, on va pas faire du On hors-sujet. s'éloigne. C'est de ma faute, c'est ma faute, mais elle coule pas. Non, c'est la faute de Sajib, quoi. Non, c'est bon, c'est moi, j'aurais pas dû le dire. Mais Sajib est tellement bon que je ne peux rien lui refuser. Non, mais le Bitcoin là est remonté, et surtout la dominance du Bitcoin dans le marché, elle est énorme. Là, t'es tous Salut Vasines. les toutes les altes ont pris cher face au Bitcoin. Le Bitcoin revient en disant je suis le king, regardez-moi. Et vous avec vos altcoins, vos shitcoins, au revoir quoi. C'est ça. C'est ça. Ben encore, c'est les suprémacistes Bitcoin qui vont être contents, eux, qui vont encore dire, Me ben, faire c'est la morale. ça. Suprématistes ou maximalistes comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez, mais c'est toujours les mêmes qui vont arriver, qui vont dire, moi, je vous l'avais dit, il n'y a que Bitcoin de vrai, le reste, c'est de la merde. En soi, ils n'ont pas tort non plus, parce que Bitcoin est tellement basique qu'il en devient indispensable, mais si tu regardes au niveau technologique, quand même, il est assez à la ramasse, hein. Malgré Taproot, malgré tout ce que vous voulez. Pour moi, ça restera, quoi qu'il arrive, une réserve de valeur. C'est très bien. C'est bien que Bitcoin soit une réserve de valeur, mais ça sera jamais plus. Et c'est tant mieux, parce que c'est exactement de ça dont on a besoin. T'es pas bullish sur les NFT sur Bitcoin? Je pense que ça sert à rien. En toute objectivité, enfin, non, pas objectivité du coup, mais je pense que non, ça servira à rien. Dans le futur, ça servira à rien, mis à part. Faire grossir la blockchain, faire en sorte que chaque année on se mange sur les serveurs 200-300 gigas de données en plus, je pense que ça sert pas à plus que ça, tu vois. Parce Si que encore ça posait pas un problème au niveau de la data, au niveau des disques durs qui vont sans cesse essayer de devoir télécharger la blockchain qui va être de plus en plus grosse à cause de ces BRC20 là. Bah, s'il n'y avait pas ce problème, je dirais ok, vas-y, pourquoi pas. S'ils veulent s'amuser à faire des NFC, pourquoi pas. Mais là, ça pose un véritable problème. Et sur le long terme, c'est pas viable. On va se retrouver avec une blockchain dans peut-être 20 ans qui fera 20 téra, 30 téra, tu vois. Enfin, j'exagère, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas viable. Pas sur non, mais c'est Bitcoin. clair. C'est Si tu surtout veux une c'est blockchain, la blockchain pour les NFT, pour moi, c'est Solana. Point barre. Tu veux des NFT, tu après vas sur Solana. en soi c'est les seuls vrais NFT qui sont sur Bitcoin avec les ordinals. Oui, C'est quand même bien sûr. Bah, les fragments, là, les artefacts, là, ce qu'ils appellent, ouais les ordinals, mais c'est parce ça. que c'est le vrai où tout est on-chain. Est-ce C'est que ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin que tout soit on-chain? ben ça c'est ce que je pense que non, c'est pour ça que je suis pas contre Solana et que je suis pas C'est le juste plus. maximaliste de tout on-chain parce Plus que hors bah, bloc. tu n'en as pas besoin en fait. Au contraire, ça peut même être un handicap. Sur des choses vraiment intéressantes, oui, mais sur le reste, pas Salut forcément. Lead. Tiens, j'ai une question là. Tu penses quoi des projets comme Stack sur BTC? Bah, c'est ce que je suis en train de montrer. Stack, Ben je me souviens, justement. j'en avais acheté à un moment. Et depuis, bah, du coup, depuis les Pourquoi j'ai ordinals 406 not acceptable quand je vais sur le site? Ah, moi je de peux pas y aller. Stacks? Ouais, je peux pas y aller. Moi ça marche pas. Bah, va sur CoinGecko, tu veux que je mette le lien? C'est Ouais, mets le lien pour tout le monde, ouais. stacks.co.
Oui, mais je sais. Mais regarde, si je vais sur... Ah, tu peux pas le voir, mais si je vais sur stacks.co, j'ai 406 non acceptable. S'il y a des personnes qui savent pourquoi. Au surnom, c'est pas grave. Aucune idée, mais Ouais. les gens sur le Open stream, du Restrict. coup, C'est parce que je suis en Thaïlande, c'est pour ça, peut-être. Ah, peut-être, monsieur. C'est à On n'a pas le l'étranger. droit, nous. Nous, les Thaïlandais, de souche. Est fou. Mais du coup, honnêtement, Stax, je sais qu'il build, il essaie de build de la DeFi sur Bitcoin, mais je ne sais pas vraiment plus. Je n'ai pas utilisé Stax plus que ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai téléchargé le wallet Xverse, mais sans vraiment savoir que c'était le wallet Stax également. Je suis incapable de dire d'avoir un vrai avis sur Stax. Mais en Ben, tout cas, tant qu'il y là, il y aura a quelqu'un qui. Il y a des Nano qui ordinales, parle de ça quelque marche. chose. Il y a quelque chose d'intéressant. Il parle des L2 BTC. Ben, on devait Oui, c'est normalement ça. faire une vidéo sur sur ce qui pourrait s'apparenter à un L2. Oui, bah ben, oui, c'est le Babylone, c'est un L2 BTC en soi. Non. Ben, tu fais une indexation sur la blockchain Bitcoin et tu te sers de la blockchain Bitcoin du coup pour valider des transactions sur d'autres blockchains que tu vas créer à partir de Babylone. Ça ressemble à L2 quand même. Ça peut ressembler, mais c'est pas du tout un L2. Enfin, un L2, si on veut vraiment prendre la définition d'un L2 au sens d'un L2, c'est tu mets un contrat, un smart contract sur une chaîne qui te permet d'interagir sur une autre. Là, Babylone, c'est ils prennent de la data qu'ils postent sur Oui, Bitcoin, pas je vois, ouais. plus. Mais sur le principe Oui, mais sur final le est le même. principe c'est plutôt, oui, tu as le même principe, où c'est-à-dire on poste de la donnée d'une chaîne sur une autre. Mais ça s'arrête là. Tu peux pas considérer ça sur un L2. Par contre, c'est vrai que ça sert du coup à checkpoint, à mettre des checkpoints sur Bitcoin à chaque fois. Et du coup à Mais céder des trucs. ouais, non, quand j'y réfléchis bien, tu as raison parce que dans le cas d'un L2, par exemple, si on part sur Optimism qui est un L2 de Ethereum, là, le but évidemment, c'est d'alléger la blockchain Ethereum et derrière de limiter les frais aussi indirectement. Mais c'est vrai que sur Babylone, le principe est de faire des checkpoints. Ok, ça va utiliser la blockchain Bitcoin, mais derrière, ça va pas. Ça va pas. Disons que ça va pas alléger ou quoi que ce soit Bitcoin. Le but, c'est d'aller de C'est servir ça. juste de la puissance de Bitcoin, de la sécurité de Bitcoin, là. Le but, c'est pas vraiment de limiter les frais de transaction. Même si au final, peut-être que ça va limiter aussi les frais de transaction. Mais par contre, j'avais écouté des podcasts il y a quelques mois, plusieurs mois, années. Je crois que maintenant ça doit faire des années. Où tu voyais, où les mecs disaient, on est en train d'essayer de construire des L2 sur Bitcoin, sur Taproot. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est très bien sur le papier, mais je pense que c'est l'appât du dul pour trouver du funding facilement avec l'argent monstrueux que tu as sur Bitcoin, mais quelque chose qui n'est pas fait pour, je vois pas comment tu peux rendre ça accessible et vraiment utilisable. Les L2 sur Bitcoin. Je pense qu'à utiliser vraiment, c'est pas commode. Même, je sais pas si vous avez utilisé Ordinals, Ah c'est oui, c'était nul. compliqué à utiliser au début. Au début, c'était C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué. Bon, là, tu as la Avec les plateforme. BRC20, avec les applications du style Unisat, vous pouvez maintenant le faire facilement. Enfin, facilement, c'est relatif, mais C'est ça. disons qu'au départ, c'était vraiment compliqué. Mais après, ça, c'est normal. C'est toute technologie au départ est difficile pour le commun des mortels, et puis après, ça devient de plus en plus facile parce on adapte, tu vois. Ouais, mais Mais ça disons que reste. je suis d'accord avec Ça toi, Bitcoin, reste c'est pas fait pour ça à la base. C'est compliqué déjà. à partir du moment où tu as un bloc tous les 20 minutes, 10 tu minutes, peux ouais. pas avoir. C'est 10 minutes, c'est pas vrai. Bon, 10 Ouais, minutes. c'est 10 minutes pour Bitcoin, ouais. Ouais, mais le temps Bon, que c'est ça soit pareil, ça revient au confirmé. même. Bon, je crois que c'était. Enfin, Bon, c'est même bref. pas 10 minutes exactement, ça dépend en fait. C'est jamais 10 minutes pile poil, tu vois. Mais oui, en Ouais. soi, ça met du temps. Mais Tu as raison, ça met du temps. en soi, ça met du temps et ça sera jamais.
performant, quoi. C'est compliqué. Ça n'a pas vocation. C'est pour ça que je te dis, pour moi, Non, ça mais n'a pas c'est ça. vocation à intégrer des NFT, ou alors c'est pas des NFT, ou alors faut vraiment revenir sur la définition. Mais je pense que même le créateur lui-même, enfin de ces ordinales, même lui est d'accord sur ça, c'est que c'est pas des NFT au sens où on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas fait pour être tradé en instant, tu vois. C'est pas fait pour faire de l'échange rapide. C'est comme une œuvre d'art que tu aurais. D'accord, tu vas acheter ton NFT, mais tu vas le garder. C'est quelque chose que tu vas prendre sur le temps. C'est pas un machin que tu vas pouvoir trader comme c'est le cas sur Solana, où les frais de transaction sont tellement bas que tu peux faire des allers-retours avec le même NFT pendant des heures et des heures sans payer énormément de frais de transaction. Non, mais c'est clair. Et surtout, c'est bien pour t'occuper, disons là, en bear market où il n'y a pas grand monde. Mais c'est absolument pas viable pour accueillir des millions de personnes. C'est compliqué, quoi. Tu peux pas dire ça, ce qui va révolutionner et permettre à ta sœur d'utiliser la crypto. Non. Ta soeur ou ta mère ou je ne sais Laisse qui, ma famille en dehors de ça, s'il te plaît. c'est compliqué, quoi. C'est lourd, c'est feuillu, quoi. Non, je suis d'accord, c'est pas forcément facile à d'accès, alors que justement, si on fait la comparaison encore. Bah non, je vais arrêter parce que les gens ils vont dire ouais, vous parlez que de Solana et tout. Non, mais c'est vrai, si on compare avec Solana, quand même, ils veulent simplifier vraiment les choses. Je vais revenir sur ça rapidement, je vous le dis en quelques mots, mais Backpack, c'est ça, la volonté de Backpack sur Solana, c'est vraiment de simplifier l'accès à tout le monde, que vous l'utilisez sur votre portable et que ça soit facilement utilisable et que vous l'utilisiez sans même savoir que vous êtes sur la blockchain, sans même savoir que vous êtes sur la crypto. C'est ça à terme en fait. C'est la crypto, pour être mainstream, doit être comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir s'en servir sans même savoir qu'il est en train de se servir d'un protocole particulier, d'une technologie particulière. Il s'en fout, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir payer. C'est comme quand vous utilisez votre carte bleue, vous en foutez de savoir comment le système TPE fonctionne. Ce que vous voulez, c'est Comment que ça le fonctionne. protocole fonctionne ex exactement. On veut que ça soit efficace et après, le reste, ça, c'est le. C'est pour ceux qui sont un peu plus techniciens, un peu plus geeks comme nous, mais le reste de la population s'en fout royalement de savoir comment ça fonctionne. C'est clair. Alex, Non, non, c'est c'est quoi clair. ça? Alex. Il y a Ouais, Alex, c'est le c'est. Mendex de Stacks. Ah, ok, d'accord. Ouais, le Mendex. Il y a quoi? Il y a Enfin. la liquidité dessus? 1,4 million, 2 millions. Ok. Ouais, il y a un petit peu de liquidité. Bon, c'est C'est pas quoi les énorme, APR? Aïe, 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 ça fait. C'est quoi ça? c'est 60, pas énorme. 42%? Attends. 50, 50, 52, 42 Ah non. stacks BTC. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé un DEX avec des gros APR qui assez safe en plus, mais je vous le dirai pas parce que c'est trop dangereux. Mais n'en parle pas alors. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que vous ratez maintenant, parce que vous voulez pas que je parle. Non, faut Toute pas façon, tu parler, parce que si ça s'effondre dans 2 semaines, après, on va dire c'est de ma faute. Donc maintenant, je les garde pour moi. Bah. Ou je les mets sur Discord, passe j'ai indemne. Non, mais ça gibbe, c'est sur le channel payant, il faut s'abonner. Ah ouais, tu sais que Discord peut être payant maintenant. Il y a des Ça, abonnements payants sur Discord. Ouais, en natif bah, maintenant. Ouais. ouais, mais nous on les fera en crypto parce que je suis sûr qu'ils doivent prendre 30% de free ou un truc comme ça. Non, mais on les fait pas, de toute façon, c'est bon, gratos. Eh, Leur profitez, profitez quand tu auras du monde. Si un jour il y a du monde, si un jour il y a du monde. on fera un Oh. pass gratos pour vous et les nouveaux arrivants, ils devront payer. Mais vous aurez tout gratuit. Serait le rôle OG. Ben, je sais que vous êtes Quotidien. les vrais, mais dans le doute, quand même, au pire, j'en parlerai après. Après, à la fin du live, on coupera le live. On On parlera. coupe le live et j'en parle. Viendra. Non, bon. Bah, Bitcoin, là, on est à 30. Fin d'été, on est à 40. Et en décembre, on est à l'ATH, non? Et en décembre, on est à l'ATH. Ouais, t'exagères un peu, mais faut voir. Ouais. Faut voir, j'exagère. Je sais pas, après, oui, c'est l'approche bientôt du halving, tout le monde en parle.
Est-ce que ça peut pas être précipité? Je suis pas sûr. Après, je t'avoue que je fais pas d'analyse technique. Là, Alors, non, mais en vrai. ce qui est arrivé là avec Bitcoin, aucun analyste ne pouvait le prévoir. Et celui qui me dit non, mais ça, c'était prévisible, c'est un mytho. C'était écrit dans la charte. Hein. Attends. C'était écrit. Hein. Je pense que tu, encore une fois, tu sous-estimes. T'as pas connu le 56K free, ding ding ding. Ah oui, le bruit. Ben moi, j'ai pas connu ça perso. Moi, j'avais 512K déjà. Sur Internet, Ouais. la box Wanadoo. Ouais, ben c'est ça. En plus, Waouh. j'étais chez Wanadoo, qui est devenu Orange après, qui a été Fameux. racheté ou je sais pas quoi. Mais pour BTC, ouais. Allez, Alors, let's go là, pour. t'es à 30K. Là, t'es à la ligne des 30K. Ouais. Paf. Là, en août, ça augmente. Pam, on se retrouve. Prochain palier, 40. Et là, attends. Là, pam, 40. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là, laisse technique. 40, voilà, là, ça, prochain palier, à peu près. Tu vois que j'ai l'habitude. Voilà. N'importe quoi. Quoi quand même. Mais non, mais donne plus de crédit. Vas-y, donne plus de crédit, ça peut passer. Vas-y. Fais Attends, on va faire dis des termes ça. techniques un peu. Dis des termes techniques, Hop. vas-y. Je trace. On voit très bien la Fibonacci. On est très bien là. Pam. Mais là, Nous t'as que deux sommes. points. Normalement, eux, ils choisissent trois points en général. Ah non, Fibonacci, il y a 2 points, je l'ai bien tracé, c'est du plus haut au plus bas. Bah moi, j'ai vu sur les courbes, ils avaient trois points. Moi, des fois, ils avaient deux Là, points tu et vois, demi, des là, on est dans fois. la zone, on est passé dans la zone jaune, là. Là, on va aller taper la verte auprès automne. Automne. Et après, road to million. Voilà, ouais, bah, merci pour cette analyse. Voilà, bah, prenez-en de la Voilà. graine, hein, les gars. C'est une analyse poussée. Ouais, bah, avec ça, on va aller Et loin. Non, t'es sérieux. voilà, hop, c'est bon. Non, mais qu'est-ce que je te dis? Oui, en vrai, des bear markets comme ça, je trouve que c'est quand même tranquille. Bah Avec écoute, j'ai un envie de te BTC dire, à 30K et dire oh là c'est là, c'est le ça. bear market. Bah, c'est le bear market parce on reste dans une période baissière malgré tout. Mais c'est vrai Ouais. que ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. Et je pense que c'est normal dans un sens. Ça n'a rien à voir avec le bear market qu'on a connu de 2018 à 2020. C'est clair. Ceux qui Là, l'ont c'était. connu Là, oh, là peuvent il le était mal. dire. Hein. Oh, on était C'est. mal, très très mal. Hein. Il y avait zéro, zéro, zéro thune à faire. Hein. C'était désert, il y avait zéro thune. Alors que là, pratiquement, chaque semaine, en étant actif, Ouais, bon, on bien peut faire un sûr, peu. on n'est pas les rois du pétrole, on n'a pas à chaque fois le bon coup, mais tu peux avoir une opportunité de temps en temps quand même. C'est ça. Bah, ça dure pas Ça longtemps. Par contre, existe. faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. C'est qu'en bear market, ils ont plus quand même tendance, ça tu le disais aussi, mais ils ont plus tendance à rug ou à scam rapidement. Ils sont Mais moins tenaces qu'en bull run. en fait, je dirais très simplement, c'est que là où en bull run, ben, c'est pas du 1v1, c'est pas un jeu à somme nulle, puisque tu as sans arrêt de l'argent et des capitaux qui arrivent. Donc tu as plus de gagnants que de perdants, puisqu'il y en a plein qui perdent, qui sont perdants, mais ne le savent pas encore. Tandis que là, c'est vraiment du 1v1. C'est si toi tu gagnes, c'est que l'autre en face y perd, globalement. Oui, c'est ça. Bah, s'il y a des gagnants, il y a des Alors, perdants directement, là, oui. Et en instantané, en plus. c'est ça, c'est que là, tu n'as pas de nouveaux capitaux qui rentrent. Donc, c'est vraiment du pam-pam. Tu es en cercle fermé, c'est du 1v1, et c'est là où c'est le plus dur. Puisque c'est du PVP, en fait. Tu te bats contre C'est les autres ça. crypto-bros, et tu as intérêt à être moins bête que les autres. Si tu prends plus de risques que les autres, bah, tu vas te faire griller très facilement. C'est le plus dur, en fait, à naviguer, de ne pas prendre trop de risques. Et Pour si réussir alors. à passer le beer. Et en même temps, si tu fais des bénéfs là, c'est Mais en ce qui est même le temps, mieux tu en sais fait. quoi? J'ai envie de te dire une chose. Et je pense qu'en vérité. Alors, je ne sais pas si c'est votre ressenti ou c'est. Enfin, si c'est votre ressenti aussi ou pas. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, c'est pas que le bear est plus léger ou quoi que ce soit. En réalité, c'est juste qu'on a pris un peu plus d'XP. Et du coup, forcément, on arrive à aller trouver des trucs qu'on n'aurait pas trouvé avant. Et donc forcément, en 2018 jusqu'à 2020, on n'avait pas encore les codes pour. Enfin, moi, j'étais que dans le mining à ce moment-là, même si je faisais un peu de DeFi, mais j'avais pas suffisamment les codes pour aller sur des trucs, sur des DEX, etc., pour trouver de l'oseille sur, enfin, de l'argent, pardon.
Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, je Non, pense c'est vrai. entre 2018 et 2020, c'était moi le pigeon. Et maintenant, c'est plus moi le pigeon, tu vois. Mais au départ, c'était moi le pigeon. Du coup, en fait, je me faisais pigeonner comme un bleu à chaque fois. Et du coup, forcément, il y avait quelqu'un qui récupérait au bout cet argent. Et maintenant, celui qui récupère l'argent au bout, bah, c'est nous, en fait. C'est pour ça, en fait, qu'on se dit, ah ben ça va, il est tranquille, ce bear market, tu vois. Ça, je pense que tu as aussi raison. C'est que maintenant, on est beaucoup plus calé et beaucoup plus intégrés avec beaucoup bah, toutes les erreurs qu'on a fait. Finalement, c'est pas d'en apprendre des choses, donc tu sais que tu les refais pas si tu apprends un petit peu de tes erreurs. Donc, forcément, tu fais plus attention et tu essayes de d'être plus performant, disons, et de moins faire de bêtises, de faux mots, de croire que d'un coup tout va remonter, tout the moon, de t'enflammer, de te laisser dicter par tes émotions. Ça, c'est sûr, c'est indéniable et que du coup. Forcément, on a les trucs de oula, ça là on va se faire pigeonner, là on va se faire rug. Je suis plus prudent quoi. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on n'a pas la science infuse et que on fait des belles performances pour se faire liquider de temps en temps quoi. Mais ça, oui. Si vous pouvez acheter tous les beaux tomes et vendre tous les tops, ça se saurait quoi. Non, on peut pas, malheureusement. On essaye de faire au mieux quand même, tu vois. Oui, non, c'est clair que tu as toujours des choses. Bon, là, moi, c'est Neutron qui me met bien. Merci, merci Sped. Merci d'avoir mis des billes là-dedans. Tu vois. Je sais pas toi si tu as mis des billes dans Neutron. Je change de. Mais Non, j'ai pas Neutron. pu à ce moment-là, moi, perso, j'ai pas pu, ouais. Mais j'aurais Oui, bien c'est vrai. voulu y aller, ouais. Neutron, bon. 35 centimes, c'est quoi? Presque 39 centimes. Ouais. C'est. On l'a payé à 18. Hein. Donc. Là, tu vois la courbe, ça parle d'elle-même, quoi. Je sais pas si vous avez du neutron, mais. Là, ça commence à être un prix où t'as bien envie de vendre. Hein. 40 centimes le neutron. Là, je ne fais pas d'analyse technique, mais FDV à 4 milliards, ça commence à faire beaucoup pour Neutron. Voilà. Bon, tu veux qu'on parle de Vélodrome un peu? Ou on reparle Ouais, de. vas-y. On continue de parler de Neutron qui a levé 10 millions de dollars. Et dont Binance qui a investi dans Neutron. Binance Lab, c'est un peu bizarre. Mais ils ont levé 10 millions quand Binance même, Lab Neutron. a investi sur Neutron. Excellent, ça. Ouais, bah, je sais pas si c'est excellent, mais en tout cas, ils ont levé de l'argent et c'est à partir de ce moment-là que le prix a commencé à bien monter. CQFD, CZ qui achète du Neutron. Mais bon, Bah, c'est ça. Neutron, faites attention, la plupart des tokens sont lock. Il y a très peu de tokens en circulation, ce qui fait que le prix. Peut encore en fait peut encore beaucoup monter et être complètement irrationnel malgré que le prix est vraiment trop cher, enfin est trop cher si tu sors tous les tokens, mais en fait vu qu'il y en a très peu en circulation, c'est très difficile de dire quel est le juste prix du token. En fait, moi je suis incapable de dire est-ce qu'il va aller chercher 1 dollar ou pas, parce que finalement, comme tu as très peu de tokens en circulation, il suffit que tu aies un peu de demande et pouf, ça pète vite très haut. Et comme en plus, la narrative derrière Neutron est très simple à comprendre et peut amener très vite bah, beaucoup de personnes à être séduites par Neutron. La chaîne Interchain Security, sécurisée par Cosmos, c'est bien vendeur. Tu sais pas où ça peut aller, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vas courir acheter du neutron. Surtout que pour l'instant, tu n'as pas de farm où tu peux faire la DeFi sur neutron. T'as rien du tout, en fait. T'as rien de rien. Et je pense qu'ils vont mettre les APR au bon moment pour compenser les ventes, pour niveler le truc. Ouais, non, ça peut être pas mal, effectivement, mais je sais pas quoi en penser. Je t'avoue que quand je vois l'état d'Atom, là, je sais pas quoi en penser. Redescends, tu verras combien, je crois, il a 8 dollars, même pas 9 dollars.
Comme il y a. Non, 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 elle est Il y à a combien là? 9, 9,50. 9,50, ouais. Ouais. Non, après, il est pas mal, mais il est à peu près dans la lignée des autres, même si quand même la plupart ont fait 17-18%, et lui, il a fait que 8% quoi, en augmentation. Tu peux jamais faire 20%. Non, c'est sûr qu'il sous-performe la plupart des tokens, mais Plupart, ouais. c'est un peu normal. Il est à 20% d'inflation. Oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Vu comme ça, oui, c'est sûr que ça se tient. Mais c'est vrai que ça c'est bien quand tu es un stacker, mais quand tu ne stacks pas, tu t'en fous de ça, de savoir s'il a 20% d'inflation. Mais dans tous les cas, Oui, oui, mais pourquoi pas c'est sur le prix Neutron. est forcément tiré vers le bas, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais Neutron, c'est très bien. C'est très très bien ce qu'il propose. À voir maintenant si ça va créer de la valeur sur Atom. Parce que c'est ça le but aussi. Hein, c'est de pouvoir indirectement créer de la valeur sur Atom. Ça, c'est une grande question et une grande incertitude. C'est ce que tout le monde est en train un peu de rouspéter, c'est que, enfin, surtout les validateurs. C'est qu'en fait, l'ICS, comme il est fait aujourd'hui, bah, ça coûte cher pour un validateur et ça rapporte rien, quoi. C'est pour rappel, si tu fais tourner une Neutron ou toutes les autres chaînes, tu dois remettre des serveurs en plus. Donc à peu près 400, 300, 400 euros par mois de serveurs en plus à chaque fois pour un truc où si tu as la fin du set sur Cosmos, ah, t'es déjà pas rentable, donc tu ajoutes des frais sur un truc qui est pas rentable. Donc sachant que Neutron il paye rien en plus quoi, c'est juste un petit des petits frais de transaction qui sont donnés comme ça, qui c'est rien du tout. Je sais pas si vous avez vu dans vos wallets, vous avez devez avoir du Neutron, vous avez rien du tout. Archoué. 16 neutrons. Bah, si tu as un airdrop de 16 neutrons, c'est que tu stacks pas beaucoup d'atomes. Parce que c'était juste proportionnel. Si tu avais beaucoup d'atomes, tu avais beaucoup de neutrons. Mais c'est vrai que y a eu que 7% de la supply qui a été airdrop. Ce qui n'est Toi, pas tu veux énorme en quoi? soi. Non, ce qui est pas énorme. Ce qui est pas énorme, mais c'est actuellement 100% de la supply qui circule. Il y a Lo Attardé qui nous dit que c'est pas seulement 10% d'inflation. De toute Non, c'est 20%. façon, Enfin, l'inflation, tu peux l'avoir, hein. tu stack à 20%. Oui, c'est le fameux truc où tu dis, oui, du coup, l'inflation n'est que sur tous les tokens stackés, en fait, l'inflation n'est que de ça. Mais aujourd'hui, l'APR, tu vois, l'inflation, bah, c'est 15,22 et le stacking APR, c'est 19,53 sur Atom. Donc c'est 15 et quelques. Voilà. Oui, Mais parce que tu prends. c'est plus haut que tout, en fait. Puisqu'il n'y a pas tous les tokens qui sont stackés, tu vois. Évidemment, oui. Bah justement, comme on le disait, comme tu le disais, c'était pas moi d'ailleurs, ni toi qui le disais, mais c'était Vitalik, je crois, ou Anatoly, je crois, qui disait que le stacking, en fait, c'est un. Enfin, ceux qui ne stackent pas, en fait, c'est comme un impôt, enfin, c'est comme une pénalité pour eux. C'est eux qui subissent le plus l'inflation. Bah, c'est ça, c'est le stacking n'est pas un reward pour ceux qui stackent, mais plutôt une taxe sur ceux qui ne stackent pas, en fait. C'est si vous Exactement. stackez pas, vous vous faites taxer, alors que si vous stackez, bah, vous gagnez rien, mais ceux qui stackent pas qui perdent, en fait. Si tu vois Oui, c'est ça pour comme ça ça. qu'il parlait d'inflation. Il disait en gros, en fait, là, ce qu'on a expliqué, ce que disait Lado Attardé, je comprends. C'est qu'en gros, c'est oui, l'inflation n'est pas la même pour ceux qui stackent et ceux qui ne stackent pas, forcément. Oui, c'est ça, c'est que l'inflation globale comparée à vraiment l'APR de stacking. Bon, est-ce qu'on fait le premier giveaway ou on les fait tous à la fin? Bah on les fait tous à la fin, hein, tant qu'à faire. Allez, ça va, De toute on façon, continue. De toute façon, on va allez, pas. on a bientôt fini là. Hein. On a Oui, c'est bientôt oui. terminé. On devait aborder Vélodrome V2. Oui. Vélodrome V2. La V2 de Oui. Vélodrome qui est sortie. Qu'est-ce que veut dire Vélodrome V2? Ça sort. Attendez, Et je vais vous ça dit que chercher la. ceci, oui.
je vais sortir la date exacte quand même. Parce que on a envie d'être les premiers dessus. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, ça se passe, c'est pas comme. C'est pas juste une mise à jour comme tu peux en avoir sur certaines chaînes. Là, c'est tu changes de contrat. Donc, toutes les poules que vous avez sur Vélodrome V1, il va falloir les enlever et les remettre sur le V2. Sauf que du coup, bah, le V2, tu vas avoir beaucoup moins de liquidités et tu vas avoir des APR bien plus importants au tout début. Le temps de la transition. Ouais, mais c'était ce qui était arrivé aussi sur Velocimeter quand ils sont passés de V1 à V2. Pendant, je Exactement. crois, un jour ou deux, on avait les APR, ils étaient montés à 9000, 10 000%, le temps que tout le monde transfère en fait son token d'une blockchain, enfin d'un contrat à un autre. Ben exactement. Et là, tu vois, tu as tout le. Voilà, c'était ça que je cherchais. Tout le petit calendrier où, du coup, les émissions pour V2, c'est le 29 juin. Donc, c'est bientôt. Là, du 29, 22 ou 28, tu peux changer tes VE vélo. Bon, ça, on Je peux s'en fout. l'émigrer, ouais. Ça, en principe, vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas stacké des VE vélo pendant 10 ans. Enfin, non, je crois que c'est pendant 3 ans que je les ai stockés. 10 ans, ça fait long. Ah ben, on en parlera après, tu vas voir, je pense que tu, je sais pas si tu l'as vu, mais je vais te raconter une histoire Ah. qui est arrivée à un des membres, coup dur. Du coup, 29, il va y avoir des nouvelles poules, vous allez pouvoir migrer. Là, si vous allez directement sur Vélodrome, comme j'étais là, vous voyez, si vous y êtes déjà allé, vous voyez que lui a changé, que ils ont changé de couleur, etc. Bon, mince. Ouais, ils ont changé de couleur. Oh, c'est une évolution, ça. Écoute, tout a changé. Il n'y a toujours pas de pool. Merde. Ça marche pas. Ah là là. Ouais, donc c'est ça, Vélodrome Putain. V2. Non, là, c'est Profitez-en. pas. Le problème, c'est pas Non, Vélodrome, c'est. là, c'est Mac. Là, c'est Apple, le problème. Mais en fait, non, c'est même pas Apple. J'expérimente un nouveau navigateur qui Ouais, s'appelle c'est bien ce que je me Arc. disais, il est sur Il le est. côté, d'habitude on voit pas ça, ouais, c'est pour ça, ouais. Il s'appelle Arc et c'est vachement bien, mais faut prendre le coup. C'est vachement rapide, ça nique un peu la batterie, mais c'est pas mal. C'est bien, c'est expérimental, Bon, ça en 2 heures il n'y a plus du de batterie, mais c'est cool. non, mais c'est expérimental. T'as des tools, t'as des raccourcis. C'est le futur Arc. Arc, c'est un Chromium, mais c'est très bon. Bref. Tout ça pour dire Vélodrome, il va y avoir du coup plein de nouvelles poules. Il va falloir, si vous avez des poules, il va falloir les migrer. Et il va sûrement y avoir des gros apiaires. Ça, c'est à peu près sûr que tu vas avoir des bien plus gros apiaires dessus. Étant donné que les trois quarts de la liquidité va prendre du temps à migrer de la V1 à la V2. Donc, certainement des opportunités. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez des LP d'un côté, de les migrer, mais également, prenez en compte que tu as des risques, vu que c'est des nouveaux contrats. On voit que l'audit sera fini en juillet, donc vous allez aller sur un truc qui n'est pas audité, où il y a possiblement un hack possible, XY, NFA, non financier, c'est pas un conseil d'investissement, faites attention. Il y a moyen que ça tourne mal. Peut-être live prochain, Vélodrome s'est fait hacker. Mais en principe, si tout va bien, non. Et si tout va. Principe, le VE va aller mieux, les émissions vont. Tout va aller bien. Et il va y avoir de nouveau des gros APR sur Optimisme qui sont déjà très intéressants sur Vélodrome, en vrai. Enfin, moi, je les trouve très intéressants, la plupart des APR qu'il y a. Je sais que toi, non. Non, c'est très bien. Après, c'est juste que ça dépend du risque que tu es Ah prêt à oui. prendre par rapport aux APR, quoi. Nous. C'est toujours la même chose, hein. Non, c'est très bien, Vélodrome. Après, il n'y a C'est pas de toujours souci, pareil. hein. Quelle est ta vision, long terme, court terme? Après, quand tu as des gros APR, c'est soit tu es très early, soit tu es sur un truc qui est tendance, enfin, Qui est bancal. qui est... Ouais, bancal, voilà.
Il y a deux Non, possibilités, c'est de toute clair. façon. Soit c'est bancal, soit t'es très early. Hein. Bon, si t'es très early, tant mieux, hein. Ça veut dire que tu vas pouvoir profiter, mais ça veut dire aussi que ça va pas durer éternellement. Non, c'est clair. Enfin, tout Mais ça non, pour mais c'est dire, très bien. Vélodrome, vos optimismes qu'on vous donne gracieusement, vous pouvez les mettre en LP sur Vélodrome. Non, ou même Gracieusement. des stablecoins ou de l'ETH, c'est quand même. Aujourd'hui, si tu veux faire fructifier de l'ETH, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus safe aujourd'hui, c'est d'être avec de l'ETH, et ce qu'il y a de plus safe sur Vélodrome, t'es quand même pas mal. Si tu veux pas aller chercher des airdrops en allant sur ZK-Sync ou X ou Y, Vélodrome, c'est place to be, je pense. C'est l'endroit où être. Et la V2, ben. Non, mais sérieux, sérieux. Et les Non, non, APR mais tu sont as tout à fait bancoins. raison. Là, j'étais Je sur une rigole pas pool. pour ça, je rigole pour les anglicismes. J'étais sur une. Je sais que tu rigoles pour ça. J'étais sur une pool sur V1. Je crois que j'étais à 40% sur de TH en stable. C'est pas mal. Là, Très je sais. propre. C'est très bien. C'est très bien, surtout les Après, frais vous connaissez déjà mon d'Optimus. avis, hein. Oui, je sais que toi tu préfères être à 700 Mettre sur. peu, Tu vois, non, t'es mettre à. peu, mettre moins, mais avec des APR plus importants. Mais toi, tu mais tu. préfères mettre plus, mais avec des APR moins importants. Mais je comprends, après, c'est une logique différente, Mais. mais ça marche Non, aussi. moi, c'est même pas ça. Je préfère mettre pareil avec des APR moins Pareil. importants. Je Pareil préfère. avec Tu des vois. APR. Parce que moi, Ouais, je. quand je mets beaucoup sur les APR, c'est-à-dire que sur SpaceFi, j'étais monté à maximum 10K, tu vois. Ouais, bah moi je Sauf que préfère là, mettre. si tu veux faire les mêmes rendements sur sur du Bah. 15-20%, il va falloir en mettre de l'argent quand même, hein. Mais moi je préfère moins de rendement, mais préserver mon capital. Puisque Après, je je l'ai. pars du principe qu'à 700% ou 500%, tu vas forcément te faire griller à un moment donné et faire un mauvais choix. Tu vois, même sur Sol Casino ou quoi, tu vas te faire griller. Le gambling, je le fais sur les NFT, je le fais en trading ou Bah, tu quoi, vas où te faire j'essaye griller, oui et non. de faire du Disons que levier, mais après, moi, j'essaie. il faut savoir quand sortir, parce que évidemment, les APR ne vont pas durer éternellement, ça c'est sûr. Mais Non, c'est il y a clair. des protocoles qui ont certes vu leurs APR baisser, mais qui derrière n'ont pas vu nécessairement le token lui perdre énormément de valeur. Évidemment, là, tout le Ben monde a moi, tu pris vois, cher, je trouve mais qu'en ça ne veut pas bière. dire que c'est lié directement aux APR. Je trouve que là, vu le peu de liquidité qu'il y a, mis à part si d'un coup tu rentres dans un truc qui prend toute la liquidité parce que c'est un truc vraiment révolutionnaire ou révolutionnaire, qui est à la mode, disons, parce que bon, tu vas jamais pouvoir t'en sortir. En ce moment, le marché est trop dur et tu vas forcément te prendre un gros coup de bâton. Actuellement, oui. Actuellement, Actuellement, oui. Et c'est pour ça qu'actuellement, je préfère être sur un truc où c'est de l'ETH. Où c'est entre 20 et 30, même 40, 40, je suis content, et où c'est relativement safe qu'aller chercher des trucs beaucoup plus Ben, gros je suis tout à fait et me d'accord faire avec taper dessus. toi. Parce qu'après, tu Regarde, peux par aller exemple, chercher des trucs. Vas-y. sur les mêmes coins, par exemple, pour revenir à ça, parce que là, à un moment, il y avait iDodge. Moi-même, j'étais rentré en partie sur iDodge. Au début, c'était rentable. Moi, je suis sorti à un moment où j'ai pas, enfin, ça avait perdu un peu. L'iCode, par exemple, avait perdu un peu de valeur, mais j'avais pu récupérer une partie. Il y en a. Je connais quelqu'un d'autre qui lui avait acheté de l'iDodge. Il était, je crois qu'il a fait, je sais plus à combien il a fait de multiplicatif, mais il était passé de 100 à 3 500 $. Enfin, en tout cas, il était monté à 3 500 $ avec un multiplicatif x 10 ou quelque chose comme ça. Et en fait, il s'est pas dit de sortir. Il n'est pas sorti à temps. Et du coup, forcément, bah, il a perdu tout parce qu'après, bah, la vague, elle est passée. Parce que les mêmes coins, c'est une vague. C'est-à-dire que ça monte, tout le monde, il y a un engouement. Et puis après, hop, ça part dans l'oubli et ça reviendra peut-être plus tard, tu vois. Et le truc, c'est Ah, c'est ça. Ouais, il faut c'est savoir surtout. prendre ses gains et se barrer. Surtout, ça reviendra jamais, surtout. Bah, il y en a certains. Si, il y en a certains qui reviendront. Ah si, tu vas pas me dire. C'est comme si Tu vas tu me me dire que disais que là, Shiba, c'est des. mort. C'est comme si tu me disais que Alors, Shiba ou Dogecoin, c'est mort. Évidemment que là, autant ça peut Shiba, remonter. Mais autant ça, t'en Shiba sais et rien. Doge, Le jour où c'est c'est sorti, mort, mais qu'est-ce que autant t'en les savais? autres. Oui, mais le jour où c'est sorti Shiba et Dogecoin, à quel moment Ouais. tu le savais que ça allait qu'il y Non, allait t'as avoir raison, des t'as raison. cycles dessus? Tu pouvais pas savoir qu'il allait avoir des cycles. Impossible de prédire à l'avance, dire ouais, non, les mecs qui ont vu perdre de l'argent sur Shiba et sur Dogecoin,
la première chose qu'ils se sont dit après avoir perdu de l'argent, c'est mort, ça reviendra jamais. Ils s'attendaient pas à ce que un an plus tard, il y ait une nouvelle vague et que ça reparte. Non, mais je suis d'accord avec toi, il y a la plupart, 90%, ils vont disparaître, comme les cryptos. La plupart vont partir dans l'oubli. Ils ne partiront jamais dans l'oubli, puisque à part les blockchains, ton token sur ETH, il restera. Non, d'accord. Il va partir dans l'oubli. Ah, je veux dire, il perdra lentement de la valeur jusqu'à ne plus être sollicité que par 2-3 personnes. Et puis voilà. Le site où tu vas ne répondra plus, tu feras voilà, un DNS. C'est ça. Au revoir. Non, mais après, oui, le clair. Contrat, oui, il sera toujours là, éternellement sur la blockchain. Mais ce qu'il ne va plus y avoir, c'est d'intérêt pour la crypto. Il y a beaucoup de blockchains qui n'existent plus, qui existaient par exemple en 2017, qui n'existent plus aujourd'hui. Si tu regardes les snapshots, tu vois qu'il y a plein de choses qui disparaissent. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le risque d'investir dans un projet? Ça, c'est à vous de voir aussi. Moi, personnellement, c'est que je suis prêt à prendre le risque, mais je sais aussi combien je suis prêt à perdre à chaque fois. Si je ne vais pas commencer à faire all-in sous prétexte que c'est un nouveau truc à la mode, quoi. Pareil pour Aptos. Hein. Si tu regardes Aptos, c'était un truc très sérieux. Maintenant, c'est dans le néant. Hein. Pareil pour Sui, tous les NFT sur Sui, ça donne quoi maintenant? On en parlait de Sui. Ah, qu'est-ce mais que ça donne maintenant? Écoute, on va voir la TVL par chaîne. Si tu regardes la TVL par chaîne, mis à part ETH, est-ce qu'il y a des chaînes qui prennent un peu de la valeur? Prennent la TVL. C'est quoi ça, Mixin? Qu'est-ce Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est ce truc? Il y a 10 protocoles et ils sont 8e. Mixin. Il y a 8e et qu'il y a 400 millions de TVL. BBH, Pando, Eximpool. Wow, je ne les connais pas du tout, ces DEX. On est déjà des boomers. Je ne sais pas ce que c'est. Ce que B-Watch. Tu vois, on n'est pas à la page là. Tu vois, ça y est. On n'est pas à la page. Ça nous sort... C'est peut-être un truc sur Kezako. IOS, Sato. Quoi ça. C'est un truc chinois. US. Oh, US. Ah oui, c'est chinois, d'accord. Chinois, tu vois, pas... maintenant les B-Watch, chinois. B-Watch, ETF-like, Crypto Asset Management Platform. En vrai. Ça vaut le coup quand même de regarder. Hein, tu vois, de temps en temps, ça vaut le coup d'aller sur des fils à match, checker un peu ce qu'il y a comme nouveauté quand même. C'est sorti il y a combien de temps ça? Ça, c'est sorti. Ah, ça, c'est juste le listing sur CoinMarketCap, CoinGecko. Aucune idée. Ok, le site, c'est juste ça. Ouais, le site, c'est ça. Donc, ça me paraît quand même curieux. Je pense que c'est plus un bug de CoinGecko. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Peut-être c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Il y a quelqu'un qui a entendu parler et qui va me dire. Mixin, ça vous dit quelque chose? T'es un c'est con, tu devrais connaître le fameux Mixin, mais moi je... Tu suis tes choix DeFi à quelle fréquence journalier, par heure, par demi-journée? C'est-à-dire, je suis mes choix DeFi, j'ai pas compris. Bah, tu monitores tes positions. Ah, bah franchement, je pense, c'est tous les jours, toutes les heures pratiquement, hein, toutes les heures. Hein. Mais c'est pas rigoureux, c'est-à-dire que c'est après il y a des alertes, c'est-à-dire que dès que je vois un mouvement particulier, bah je regarde vite, je vis rapidement. Mais comme je l'ai toujours sur mon portable, le premier réflexe que j'ai, c'est de toujours regarder où ça en est. Mais ça, de toute façon, vous le ferez quoi qu'il arrive, dès lors que vous avez des positions quelque part, vous êtes obligé de checker en permanence où vous en êtes. C'est obligatoire ça. Disons que c'est de la parano au bout d'un moment. Vous vous réveillez le soir, la première chose que vous faites, c'est que vous allez regarder où en sont vos positions. Là, on peut voir que Neutron a 20 millions de TVL. C'est-à-dire pas mal. Yep. Ça n'est plus gros gagnant sur 7 jours. D'ailleurs, c'est quoi les scams actuellement là? Ils ont perdu combien de... Comment? Quand tu vas dans les récents scams, pas les scams, mais les hacks, etc. Ah, sur Rekt. C'est tout en bas, les hacks, ouais. Bon, un peu ce qu'il y a comme nouveauté. Je crois qu'il y a eu Midas, ouais, il y a eu Midas Capital. Oh, Midas, à qui le tour? En vrai, il n'y a pas de temps que ça. Hein. Le plus gros, c'est Atomic. Le 12 juin, deux en même temps. C'est cool. Flash Loan et Private Key Compromise. Alors, les Private Key Compromise, ça, je le dis à chaque fois, mais j'en suis sûr, ça, c'est les teams qui manipulent. Enfin, c'est des rogues. Ça, c'est les teams qui se barrent avec la clé.
Enfin, qui se barrent avec l'argent, quoi. Atomic Wallet, ils sont barrés avec 5 millions. En vrai, le plus Bah, mauvais, en vrai, peut-être, peut-être. y a pas tant de hacks que ça, gros. Mais Atomic Wallet, ça fait mal quand même. Tu À te rends 100 millions. compte? C'est... Et le pire, c'est que, je sais pas si t'as vu cette semaine, ils ont dit genre, ouais, on a On perdu remboursera que pas. 0,1% de notre truc. Oui, non, ils rembourseront jamais. Mais ils ont fait une annonce, genre, on n'a pas perdu grand-chose, quoi. Alors qu'en Non, mais fait, il est de énorme. toute façon, ça pend au nez de tous. Mais là où tu vois vraiment si un projet tient la route, c'est comment ils réagissent en période difficile. Là, c'est une période compliquée pour Atomic Wallet. Comment ils vont s'en sortir? Quels vont être leurs choix qui vont leur permettre de garder, de pérenniser leur entreprise? Parce que ça peut arriver à tout le monde, ça. Ça peut Bah, arriver à tu vois, Metamask, ils ont du jour au dit lendemain, Metamask se fait hack, y a j'en sais rien, que il peut y avoir des trucs, hein. ouais, ils ont dit il y a que 0,1% des Check utilisateurs du qui ont code. été. Et de l'autre côté, ils te disent qu'il y a 100 millions qui ont été pris. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Après, peut-être qu'ils prennent pas en compte, ils prennent en compte ce que eux ils ont perdu, je sais pas. Je sais pas, je trouve ça Pas bizarre. ce, enfin j'en sais rien en fait. Donc je sais pas comment ils calculent en vrai, non. Bon, sinon, pour finir, petite anecdote pas sympa. Dexter. Dexter, c'était très bien. Tu vois, c'est le genre d'endroit où j'allais pour farm de l'atome. Parce que tu vois, tu es à 45% avec la moitié qui est stackée. Donc, Oh, tu c'est quoi la peux. douille, vas-y. C'est quoi la douille? Je vais de suite sur la douille. La douille, c'est la team de persistance là, qui fait le STK Atom. Il y a un membre d'un coup qui vient sur le Discord qui me dit putain, j'ai eu un problème. J'ai voulu unstake. Ça me met un unstake de 22 ans. Et en fait, 22 c'est un. ans? Ouais, 22 ans. Pour unstake le liquid staking. En gros, pour passer, si tu veux pas swap et que tu veux passer vraiment en. Par le protocole, ça lui a mis un truc de 22 ans. Donc il a pris perpète. Et en fait, Il a pu lui faire. il y a eu un problème, je crois, avec les mises à jour IBC ou je ne sais quoi sur le protocole qui a fait sauter un truc sur le protocole. Et là, ils ont fait une annonce comme quoi ils étaient en train de le résoudre, quoi, de résoudre les soucis. Mais en attendant, tu ne peux plus unstake de persistance. Attends, et si, mais lui, on a trouvé une solution, ils ont trouvé une solution pour Ah lui non, ou carrément? lui pour l'instant, il est dans l'attente Mais ils vont dans trouver une l'attente d'une solution, c'est solution. pas possible qu'ils le laissent comme ça sur. Oui, non, oui, ils vont trouver une solution. Mais ça va demander peut-être une mise à jour de la chaîne ou Dieu Ah, mais sait quoi. t'as vu le logo, il a été dessiné par un enfant aussi. Non, mais persistance et P-Stake, c'est comme Dex. C'est Bah, c'est pareil, tu vois. les Indiens comme Dex. Ouais, je sais. Bah, ça se ressemble, hein. Ils ont les mêmes logos. Vois, c'est ça. C'est la même team qui a trois blockchains. C'est incroyable. Eux, ils ont maximisé le bull market à fond. En vrai, leur produit est bien. Mais là, ça marche pas, quoi. Là, ça marche pas. T'avais pourtant des bons APR. Mais là, si tu unstake en 22 ans, ça fait un petit peu mal. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Dans 22 ans, tu sais même pas si l'atome sera encore là. D'ailleurs, on sait même pas si l'atome sera encore là dans 5 ans. Le seul qui restera, quoi qu'il arrive, peu importe, vents et marées, et encore, on n'est pas certain, mais en tout cas, s'il y en a un qui doit rester, c'est Bitcoin. Je fais pas mon Bitcoin maximaliste ou suprémaciste là, mais c'est vrai que Tu penses Bitcoin, que quand même, ETH peut disparaître? bien sûr, ETH peut disparaître, oui. Il n'est pas suffisamment ancré. Quand tout le monde Non. connaîtra ETH autant que le Bitcoin, ouais, peut-être que je te dirais, ouais, ETH peut ne pas disparaître. Mais là, aujourd'hui, Tu tu penses que demandes à Dogecoin peut n'importe qui. disparaître? Évidemment. Non, Et Dogecoin. non. Oh non, non, Dogecoin ne peut pas disparaître parce qu'il y a Elon Musk. Bah oui, il va le faire tourner dans les Tesla, il va le faire tourner sur Mars. C'est ça. Il Ouais, mais disparaîtra ça sert pas. à rien. Mais Elon Musk, c'est un danger public.
Lui, il va promouvoir n'importe quel truc, il s'en bat les steaks. C'est même pas le. Ça, en fait, c'est le pire des influenceurs parce que lui, en plus, il dit jamais faites attention quand même, ceci n'implique blablabla, tu vois. Lui, il fait juste ouais, bah vas-y, achetez du Dogecoin. C'est comme quand il change le logo Twitter sur Dogecoin. En fait, le mec, c'est le roi du monde et maintenant, il s'en bat les steaks de tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Il le fait, il a juste envie de faire quelque chose, il le fait. Il a envie de dire à tout le monde acheter du BTC en gros sur Twitter, il le fait. Il s'en fout des conséquences. Là, il s'est fait tacler par la SEC là récemment pour justement ce logo Doge qui a incité du coup les gens à acheter du Doge. Mais non, lui, il s'en fout. Il se fait oh, de toute façon, j'ai des milliards. Qu'est-ce qu'ils vont me prendre? Je connais tout, c'est moi qui ai leur fusée, ils pourront rien faire sans moi. C'est ça. Exactement. C'est en fait, il fait ce qu'il veut. C'est le roi du monde, quoi. Ça Mais fait du peur. coup, Hein. oui, Dexter, c'était bien, mais bon, moi j'y suis, j'y reste, je suis bloqué 7 jours, mais j'ai une petite somme de toute façon dessus, mais pas ouf. Et faites attention avec le STK Atom. Mais Je sais effectivement, pas. là, doit tarder. Si BTC disparaît, tout aura disparu. Ben c'est mon avis. S'il ne doit y avoir qu'une crypto qui reste, c'est le BTC. Sans être Bitcoin Non. maximaliste, encore une fois. Si, si, bien sûr que si. Parce que ETH ne même toi, tu es disparaîtra d'accord. pas. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a une qui doit rester, une seule, ce sera Bitcoin. S'il y en a une seule qui doit rester. Tant que dans la majorité du monde, on dira à chaque fois crypto, on aura tout de suite à l'idée Bitcoin. Eh bien, on pourra dire que elle sera irremplaçable. Le jour où on dira crypto et qu'on entendra aussi ah oui, je connais Ethereum et tout, bah là ouais, peut-être qu'on pourra dire que Ethereum a dépassé peut-être BTC, voire l'égal exactement. Mais aujourd'hui, tu parles de crypto, il n'y a personne qui va te parler de Atom, de Solana, ni de Ethereum. Ils vont te Non. parler tout de suite de Bitcoin. Ah, pas forcément. Tu te trompes. On va parler d'atomes. On parle souvent d'atomes. Bah, Tout le monde connaît on parle l'atome. souvent d'atomes, nous, dans notre écosystème, mais pas Non, genre non, mais personne même connaît l'atome des. en dehors. Si, 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 tout le monde. Bitcoin J'ai aura vu toujours le privilège de la Jason primauté, Stein. c'est comme ça. C'est Ah celui qui est là depuis plus oui. longtemps, c'est celui qui restera encore Évidemment. longtemps. Il y en a beaucoup qui vont passer à côté de Et lui, c'est mais le très peu seul le dépasseront. neutre. C'est le seul qui est neutre. Voire aucun ne dépassera. T'as la neutralité. Et oui, comme tu dis, aucun. Ah, le aucun n'y passera. Salut Le Mike, flip. tu viens à temps pour Le flippening va tirage. arriver. Non, il y aura jamais de flip. Enfin, peut-être, hein, peut-être que là je dis ça maintenant et que dans quelques années il 2017, c'était chaud, hein. 2018, c'était chaud, hein. y aura. Ouais, mais c'était une mode, tu vois, c'était une mode, c'était une C'était mode. chaud, chaud, chaud. Bon. C'est de la Bitcoin, c'est de la valeur, c'est la confiance absolue de. Enfin, c'est le seul dans lequel on est tous d'accord pour dire on a confiance dans BTC. Peu importe où tu es dans la crypto, peu importe le projet que tu soutiens, tu peux pas remettre en question la légitimité de Bitcoin et la confiance que tu peux avoir dedans. Tu sais très bien que c'est le meilleur en termes de confiance hein, et en termes de réserve de valeur. Certes, Ah, on c'est n'a pas peut-être parlé. c'est pas le plus technologique, mais ça reste le meilleur. Il y a Tether qui arrive sur Cosmos aussi. Tu l'as suivi cette Exactement, news? cher moustache. Il y a Tether qui arrive sur Cosmos, bah, il était temps. Et ouais, on va avoir des stablecoins natifs. Magnifique. Déjà sur l'USDC, ça devait être le cas. L'USDC et Tether, je pense, qui arrive le 3 juillet pour sur Kava. Pour arriver avant l'USDC pour les niquer. Mais pas mal Ah, ça. sur Kava? Oh. Moi, j'aurais préféré sur Alors, Osmosis. bah c'est pareil, tu les auras sur Osmosis, mais ils seront, le contrat Tether sera sur Kava Oui, je et après sais, en je sais. IBC. Mais Osmosis, non, parce que c'est de C'est pas l'EVM, peur. donc je pense que c'est le même contrat qu'ils utilisent, mais à voir. Ouais, bon, alors sur Evmos dans ce cas-là, alors. Ah Ouais, si, c'est une sur EVM Evmos. aussi, du coup, on peut y aller. Hein. Ah ouais, on fait. Evmos qui est une Evmos. catastrophe ambulante, ouais. Catastrophe Evmos. ambulante. Oh mon Dieu. Ah, je pleure. Tac, tac, tac. Je pleure. Je pleure La vraiment. souffrance, Là, hein. c'est. Ouais, Enfin, mais sur. toi aussi, là. Pourquoi on n'a pas fait plus de pubs pour Evmos?
Ah, je crois que là, c'était même pas des pubs qu'il fallait faire, c'était carrément qu'on fasse les protocoles nous-mêmes. Hein. C'est ça. C'était. Non, mais attends, c'est que. Bon, après, on va dire, oui, voyez, c'est de la merde, et moi, mais les gars, qui pouvait prévoir que le mec, il allait se barrer? Que le mec, il allait se barrer et vendre tout. Bah, Le tu mec, vois que il a Evmoss des. a eu deux périodes, et puis là, 2 millions de TVL. On va Bon, voir ce que ça après, donne. Regarde, je au vois que. départ, rappelle-toi, tu parlais de Kanto qui devait remplacer Evmos. Au final, ils sont encore plus dans la merde, Kanto, que Evmos. Ah, tu penses? Bah, en termes de Dex et tout, ils ont rien, mis à part Vélocimeter. Ils sont peut-être dans la merde, mais en tout cas, il y a 46 millions sur la chaîne. Evmoss, il n'y a même pas 2 millions. Non, mais là, je te parle sur les nouveaux Dex qu'ils ont proposés. Il n'y avait rien. Bon, après, là, peut-être que c'est mieux, Mais c'est par beaucoup mieux contre, maintenant, mais. tu vois que la Il faut TVL regarder le volume surtout. baisse fortement. Et même le volume. Moi, je regarde la TVL, c'est l'argent qu'il y a dessus. Volume, tu as 2 millions de volume en 24 heures. Et moi, je pense que tu as 50 000 balles. Bon, Y a combien? Ah ouais, non. Ah ouais, 100 000 effectivement. balles. Effectivement. Non, après, Kava, il y a C'est du bon, j'ai monde quand rien à même dire sur alors. C'est Kava. autant. Tu vois, Kava, t'as 200 millions de TVL. C'est pas rien. Mais t'as moins de volume, par contre. Mais t'as beaucoup de TVL. Parce que t'as ce gros truc de landing. D'ailleurs, on pourra en parler peut-être un jour des trucs de landing sur Kava. Mais moi, Kava, j'ai toujours un problème avec Kava. C'est je me souviens de l'UST où les gars avaient hardcodé le prix de l'UST à 1$. Oui, c'est vrai, Donc ça, à partir du moment où tu fais ça. ouais. Ouais, mais ça c'était avant. Ouais, c'était avant. Sur le BUSD, moi j'ai mis même du. J'avais mis aussi du. En stacking à 25%, j'avais mis du BUSD, ça marchait très bien. Oui, ça marchait. Ça Non, marchait t'avais très tout. bien, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Non, je rigole, ça a continué. C'est toujours très bien. Bah, ça marche toujours. Oui, je sais, 23%, ouais. Hein. Après, c'est 23%, c'est les Kava, ils sont lockés 25 ans, non? Il y a pas un truc, y a pas un truc comme Il y a ça. une partie qui est loquée, mais sinon, non, c'est bon, c'est ça. Hein. C'est très bien, 23%. Alors, c'est pas le bout du monde, mais c'est déjà pas mal. C'est pas le bout du monde. Écoute, 23%, je te défie de trouver mieux. En stacking, ouais, bien sûr. Stacking, tu Non, trouveras rien. sur deux stablecoins. Oui, en stacking sur du stablecoin. Déjà, le stacking sur stablecoin, c'est bizarre, normalement, ça ne devrait pas exister, mais bon. Ça, c'est le même coup que c'est le même coup que sur les 20% sur Encore avec C'est le les Luna, mêmes. quoi. Ouais, C'est les mêmes. C'est ben les mêmes. voilà, c'est pour ça. Après, rien ne dit que ça va. Ça dépendra du prix du Kava, parce qu'en fait, si le Kava, c'est trop petit actuellement pour qu'il y ait des attaques comme il y a eu sur l'UST. Oui, puis même c'est du BUSD, c'est tout est différent. Mais la chaîne, bon, Kava, Bah, c'est du BUSD, mais disons avoir que l'UST. c'est du BUSD, mais ils rachètent du BUSD avec du Kava, donc ça dépend aussi du cours du Kava. Oui, Disons je que comprends. toi, de ton côté, quand tu stack, normalement, vu que c'est du BUSD, bah, tu pourras pas avoir de variation, mais sur les rewards, là, ça peut varier par contre. Si le Kava s'effondre, bah, tes rewards s'effondrent aussi. Et vu qu'on te paye en Kava, bah, s'il y a une partie qui est lockée, bah, tu as une partie à la fin qui ne vaudra plus rien. C'est exactement ce qui s'est passé aussi sur SpaceFi. Certes, sur l'Evmos, on n'a pas eu d'impact au moment où c'est sorti, parce que le Space était descendu plus vite que l'Evmos, parce que l'annonce sur l'Evmos est arrivée bien après. Et du coup, on s'est retrouvé avec des Space lockés qui valaient plus rien. Mais Et sur en la plus, LP en elle-même, on a pu sortir. ils t'ont pas donné assez de. Ça, Moi, je c'est sais une pas si t'as question de vu, timing mais aussi. t'as un rebate. Là où la dernière fois que je suis allé sur SpaceFi, t'as un rebate où t'as des nouveaux Evmos qui n'avaient pas donné assez. Ah ouais? J'ai Ouais. plus regardé, je t'avoue, depuis. Bah, moi, Je j'ai suis plus regardé. au courant. Ah ouais, J'ai même quand je suis sorti. regardé pour voir qu'il devait me rester quelques dizaines d'euros de Écoute, reward, du coup. quand j'ai sorti la LP, je suis sorti complètement, j'ai tout mis de côté, quoi. Bien joué. Ben moi, il m'en Mais restait en unbonding un bon. petit peu. Bon, du coup, ça, sur Vas-y, Cosmos, on va faire le tirage, c'est bon? on fait le tirage, hein, il n'y a rien d'autre de plus intéressant. Est-ce qu'il y a une news d'intéressante? Salut Vatou, Osmosis salut Mike. 2.0, on a fait le tour. Osmosis 2.0, ça vous intéresse? Vous êtes Et holder oui, d'Osmosis? Tosh,
Je sais que Non, c'est je ta ne plus grosse pense pas. position, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que bah, après, au C'est moment où je suis spécifique. sorti, ouais, sur moi, ouais. Au moment où je suis sorti, enfin, vous auriez dû sortir en même temps que nous, quoi. Parce qu'on avait fait l'annonce pour dire ouais, on se barre. Alors moi, je ne savais pas du tout, pour dire vrai, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer après sur Evmos, que l'annonce qu'il allait y avoir et tout ça. Je suis sorti parce que pour moi, les API étaient plus assez intéressants. C'est juste pour ça que je suis parti. Mais j'avoue que si les API avaient été aussi intéressants et tout, je serais resté et j'aurais été dans la même douille que certains. C'est juste une question de timing, là. Mais c'était pas du tout réfléchi. Enfin, réfléchi entre parenthèses. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, là, on a assez mangé, on va passer à autre chose, quoi. Il faut savoir aussi Ouais. s'arrêter un moment sur les protocoles. Quand vous voyez qu'un protocole tourne très mal et que vous sentez que ça va pas durer, il faut aussi lâcher prise, quoi. Faut, même si vous êtes légèrement en perte, faut y aller, faut sortir, quoi. Yes. Bon, je vous ai partagé le lien du tweet et on va Ouais. faire le petit giveaway. Let's go, ouais. Let's go, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti. Non, mais toi, c'est pas ton problème de débutant. En soi, on l'a tous eu ce problème. Mais t'es pas. Alors, j'ai envie de te dire, débutant ou pas débutant, hein, parce que y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que toi en termes de crypto et qui ont fait les mêmes erreurs que toi à ne pas vouloir sortir alors qu'ils avaient accumulé pas mal d'argent. Ça arrive à C'est tout le ça. monde. Et après, tu as la désillusion de ça va revenir. C'est ça. Ça va. Ça peut revenir, hein, ça peut revenir parce que. Non, ça Parfois, peut je me suis pas. fait avoir. Non, parfois, je me suis fait avoir comme ça. J'étais là, je me suis dit, Oui. vas-y, je sors, ça s'effondre. Et puis, au moment où je sors, ça remonte crescendo, tu vois. Oui. C'est vrai. C'est vrai que tu as le fameux quand tu pars, ça remonte. C'est C'est ça. commun. De toute façon, ça sera tout... Oui, mais ça sera toujours ça. Mais si ça a de Et tu remonter, peux c'est qu'on jamais ne sera timer. pas. Tu peux Non. jamais timer. Tu peux jamais timer parce que, en vrai, à chaque fois que tu te dis. À chaque fois que tu te dis, bon, maintenant j'abandonne mon bag, en fait, tu l'abandonnes jamais. Moi, j'arrive jamais vraiment à les abandonner. J'arrive jamais, tu vois. Je peux pas me dire, ouais, c'est bon, je vais laisser le bag traîner comme ça. Et je dis, bon, c'est bon, j'accepte cette perte. Même si j'accepte la perte, il faut quand même que je sorte avec un petit peu, quoi. Ah, c'est sûr que tu as toujours envie et tu as toujours la désillusion, le truc de ah ouais, peut-être que ça va revenir, on sait jamais, par Merlin l'Enchanteur, ils vont faire d'un coup, il va se passer quelque chose qui ne s'était jamais passé. Mais Non, mais non, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Enfin, vous êtes non, certain arrêtez. Ça peut sur certains projets, ça peut aussi, mais entre la conviction et la croyance et la désillusion, la frontière, elle est quand même faible. Mais disons qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de recette magique là à ce niveau-là. Il n'y a pas de recette magique parce que même si vous fixez des dates. Moi, je me fixe parfois des dates, je me dis un mois, au final, je dépasse tout le temps. Hein. Quand je vois que ça marche bien, je reste, tu vois. C'est au feeling après, c'est au feeling. C'est dur d'expliquer ça, mais ouais, c'est au feeling après. Snark Launch, ouais, Snark Snarklant. Launch. Bah, Snark Launch, c'était. Alors, Snark Launch, c'est ça qui est assez intéressant. C'est sur Snark Launch, sur les premières semaines, si vous étiez sorti, vous étiez gagnant avec un bonus. Mais si vous restiez encore plus à attendre que ça remonte, il y a eu une légère petite remontée à un moment. Et puis après, ça s'est écroulé. Mais faut dire aussi une chose, c'est que tout le marché à ce moment-là s'est pété la gueule. Il n'y a pas que le snark en lui-même qui s'est cassé la gueule. Enfin, c'est pas le snark tout seul qui a sous-performé toutes les autres cryptos. Il y a aussi le contexte à prendre en compte. Mais je suis sorti de snark à titre perso, je suis sorti de snark au tout début. Enfin, j'ai sorti une partie au tout début, je suis sorti gagnant, donc ni gagnant ni perdant. C'est-à-dire que il restait une autre partie, vu qu'il avait fait x2, bah, j'étais gagnant si j'avais tout sorti. Mais comme j'ai sorti qu'une moitié, bah, j'étais ni perdant ni gagnant. Et à la fin, bah, je suis sorti avec beaucoup moins que prévu, mais je suis quand même sorti gagnant. Mais oui, sur snark, je suis d'accord avec vous que il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'attentes et au final, on aurait dû sortir au tout départ. La majorité, on aurait dû sortir au tout départ. Si vous étiez sorti au début, vous faisiez un x2. Ah oui, il y Et avait ça, un fois de l'affaire quand même. bah oui, au début, il était monté super vite. Pour ceux qui l'avaient acheté au tout début, il était à 7 centimes et monté à 20 centimes, je crois.
Si tu sortais au tout début, tu pouvais encore te faire un fois deux. Ouais. Large, oui, ça gibbe, oui, mais effectivement, large. Après, c'est toujours ça, hein, c'est qu'on Ah est oui, gourmand et on se dit. fallait être gourmand parce que avec le pseudo rug qu'ils avaient fait, pas partir avec des bénéfs, fallait être gourmand. Bah, c'est ça le truc, c'est que bah, tu te dis, bon, est-ce que ça peut remonter? Ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire. C'est pour ça que moi, j'ai pris le risque, mais je suis allé dans un jeu à somme nulle parce que j'ai dit, bon, bah vas-y, là, je fais un fois deux, je prends l'autre moitié, et au pire, si je perds de l'argent, bah, je perdrai que dalle parce que j'aurais ni gagné ni perdu. Mais oui, tu pouvais facilement faire un fois deux, fois trois même. Il était monté à, je crois, 20, 20, 25 centimes, on l'avait acheté à 6 centimes, il y avait un bonus en plus. Non, en fait, il y avait pas mal de choses à faire. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas allé par la suite sur les ICO qu'ils ont fait et les pre-sales qu'ils ont fait après. Moi, j'aurais préféré vendre tout au début, mais ça ne dépendait pas que moi, parce qu'il y avait plusieurs personnes dans l'investissement avec moi. Mais moi, je voulais sortir. Moi, je voulais sortir dès le début. Moi, le x2, ça me suffisait largement. Bah ouais, c'est clair. Ah, et du coup, ils ont refait des pré-sales et ça s'est mal passé. Ça, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est que c'est comme tout, tu vois, oui, ça monte très vite et puis après ça se casse la gueule, mais et après ça remonte légèrement, et puis vu que le marché était pas, mais vu que le marché de toute façon n'était pas propice, bah, ça s'est pas remonté depuis. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme avec Omniflix, avec les APR qui étaient énormes au début, Ah, c'est le comme truc tout, s'est ouais. pété la gueule après, oui. En même temps, c'est pas ça, c'est qu'Omniflix, c'était tellement haut le prix, c'était un truc genre, c'était abusé, c'était Ah bah ouais. terriblement haut. À Donc, combien là? Il doit bon. être à même pas 8, 10 dollars, non, même pas. 10 dollars, 10 centimes, je veux Ah dire. oui, Omniflix, ça doit Ouais. être ridicule. Actuellement, il n'y a plus rien. Et dire que j'ai mis de l'argent sur Omniflix. Tu vois, là, c'est le propre, en fait, de. Mais Bah, c'est tu vois, toujours moi, facile. C'est toujours plus simple de j'en ai faire des. vendu, j'ai voulu en stacker, et Ouais. finalement, ce que j'ai stacké, ça vaut plus rien aussi. Ouais, bah, c'est ce que j'ai vu aussi. Mais de toute façon, c'est toujours le truc, c'est que quand on va sur un truc comme ça, on sait jamais vraiment où on va, mais on sait qu'on prend un risque de tout perdre. Donc il faut pas, on se leurre jamais. Omnifix 14 centimes, ouais. Ouais, il est pas bon, hein. Et là, il y a tout le monde qui va sortir en même temps en plus, j'imagine. Non, il Tout le dit. monde va se barrer en même temps, laisse tomber. Sur Cosmos, celui Il qui n'y a plus marche bien, l'oseille, il y a plus. c'est le concurrent du flux, c'est la cash. Ah, je dis ça, il a perdu 3%. Mais lui, il revient des enfers. Bon, il a de la marge avant d'aller à 6 dollars, mais Allô? il remonte. Tu m'entends? Allô? Je crois Ah, qu'on te j'ai perd. bugué, excuse-moi. Ouais, je crois que t'as bugué. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Exactement, Sajib, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis ni gagnant ni perdant. Enfin, légèrement gagnant, alors. Mais pas ce que je m'attendais. Bah, si Houdini se sont fait piquer l'argent de l'IDO. Oui, Houdini, oui, ça c'était le deuxième lancement, ouais. Bah, après le deuxième lancement, ouais, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, ils se sont fait rug. Oui, pour ceux qui sont rentrés, bah, après c'est pas Snark là, mais oui, si c'est Snark, mais ce que je veux dire, c'est pas le Snark en lui-même. Mais là, ouais, après Houdini, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu l'argent. Bah, l'argent de l'IDO, en fait. Oui, c'est exactement ce que disent tous. Mais déjà, en fait, déjà à partir de là, au deuxième, moi j'étais déjà sorti, en fait. Quand j'ai Sent vu quand que le même. Bolt, quand j'ai vu l'échec du Bolt, je me suis dit, vas-y, je vais pas continuer sur ça. Sur l'échec du Ouais. Bolt, bon, voilà. Ça, à titre perso, je serais même pas rentré sur le Bolt si j'avais pu. Bon, faisons nos le giveaway. Allez, je vous enlève Yes. le follow use monde. 28 entrants. Continue.
J'aurais dû mettre 3 winners, j'ai oublié. On va faire 3 fois. Ah, pourquoi ça compte pas? Tweet count. Bon, en vrai, on en a deux, parce que Kierno, je crois qu'il suit nos lives, et je sais pas pourquoi ça me le met Mais il n'y en rejeté a dans pas la un troisième conviction. normalement? Si. Il faut que je redraw. Et on en a trois. Est-ce que vous êtes tous Ok. là? Est-ce que vous êtes là ce soir? Dites Ryan, Kierno, Ryan, on sait qui c'est. Ryan est là, Kierno il est Kierno, là. il est là. Et tu vas. Tu vas te. Quoi? Bah, je crois qu'il a laissé le message juste au-dessus. Hein. C'est Tova, pardon. parce qu'il y a Vato, Tova, je pense que Ouais, Vatou, ça doit être lui, non? c'est nos gagnants, c'est des énièmes gagnants qui ont déjà gagné tous, je pense. Je peux vous demander un petit truc après quand vous aurez fini les news. J'arrive pas à passer les accélères UTH, DevMost, MetaMask sur le réseau UTH sur EVMOS. Ils te disent d'aller sur Satellite. Satellite ne prend pas en charge que Kepler et. Ah oui, d'accord, ok. Il faut que tu utilises le dashboard de DevMos. DevMost. Ouais, il faut que tu utilises le dashboard Elmos. Ça, Ouais, montre-lui, ouais. l'app. Il faut que tu utilises l'app. Et dans les assets, tu vas pouvoir passer tu auras tes AXL ETH là et tu pourras les convertir. Bon, là, je suis pas connecté. Mais du coup, là, ça va pas m'en trouver parce que j'en ai pas. Mais ça va te convertir tes AXL ETH. Il faudra que tu marques convert en IBC. Et ne fais pas avec une ledger parce que je crois que ça ne marche pas. Bon, là, tu vois, ça ne marche pas. Mais du coup, c'est comme les USDC, c'est comme tout. Tu as convert. Et là, tu seras en IBC, il faudra que tu mettes en ERC20, C'est ça. ou plutôt from ERC20 to IBC coin. Et là, tu les auras dans ton Kepler et tu pourras les mettre sur Accelerator. Pas plus compliqué que ça. Mais je comprends que Ouais, c'est un c'est peu. vraiment simple à utiliser. Enfin, non, justement, c'est pas ça, c'est un des problèmes d'EVMOS, je trouve que c'est la Bah, galère quand même. avec le dashboard DevMos, si, arrête. Avec le dashboard DevMos, ça va, ça reste faisable. Au tout début, il n'y avait pas ça. Au tout début, tu devais avoir la même clé privée sur Kepler et sur EVMOS. Et sur MetaMask, je veux dire. Oui, c'est plus facile, mais ça reste quand même une grosse barrière à l'entrée. Faut. Ah, mais oui, mais après, moi, ça s'adresse de toute façon pas à tout le monde. Le but, ce serait que ça s'adresse à tout le monde, mais oui, t'as raison. À toutes les Bon. personnes qui sont rentrées là-dessus T'as raison. sont pas, je pense, des personnes qui sont débutants dans la crypto. C'est vrai qu'il y en a qui ont jamais gagné et d'autres qui, ça fait 2 fois qu'ils gagnent. Peut-être regardez aussi si vos. Constantisme. Ouais, c'est qui a dit ça? Je crois que tu as déjà gagné dans les précédents Oui, concours quand même. c'est vrai, t'as gagné, c'est qui a dit ça, je crois. Il va le gagner à chaque fois. Mais Je par suis chat contre, Pierre noir, hein, dis Moustache. pas non plus. Ouais. Écoutez, pas gagné à tous les coups, hein, Ouais, cuir c'est pas moustache quoi? les invests. Comment? Cuir moustache quoi, t'as dit? Bah, je pense que eux, par contre, ça, leur pseudo ne me dit rien. J'aurais jamais envoyé d'optimisme. Ils n'auraient gagné. Il faut participer aux Zili. Aux Zili, il Troisième fois, faudra vous que. relancerez. Après, si tu veux, on peut relancer maintenant. Si J'ai tu veux déjà gagné, donner mais ta je. place. Ulysse, il a déjà gagné? Il a gagné comment, Ulysse? J'ai déjà gagné, mais je suis là avant tout pour le live et le contenu avant tout. Waouh, merci. Bah, ça fait plaisir, tu Merci, vois. merci Ulysse. C'est pas ce que tu disais Non, il je y a suis en quelques dèche. lives. Mais non, mais il a raison. Tout le monde a le droit de changer. On a tous droit à une seconde chance. Ça a Ça refait ma refait ma. soirée. Bah, écoute, si ça paye le kebab, tant mieux. Je te les envoie pas, Ryan. Monsieur, vas-y. T'inquiète, je suis garant. Ça. Non, je Ça rigole. rigole, je suis là pour l'argent. Ah, le bâtard. Toi, prochaine whitelist de NFT, t'auras rien du tout. Hein. J'avoue, il a une whitelist, ça lui a payé. Ça lui a Ça lui payé paye. tout son investissement dans la crypto depuis ses débuts, quoi. Ça lui a payé sa voiture, quoi. Sa 10K, première voiture. 10K, il a pris 10K sur la whitelist Mad Lads. C'est Et celui qui a encore, pris le plus, en fait.
Il aurait gardé son Madlas, il aurait pas vendu, il aurait pris 30K. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, ça c'est juste pour le Pour le troll. mettre un peu la haine. Ouais, il a 10K absent. Pour ceux qui savent pas, c'est le seul qui a eu un NFT qui valait 10K à la sortie. On a tous eu Il est à combien des Madlas? rares. Madlas, les gars, 100 sols, je crois. c'est up only, hein, Madlas, toujours là. Est-ce que tu as commandé tes suites, Madlas? Est-ce que vous avez commandé votre merch, Madlas? Non, moi je l'ai vendu, mon merch, moi, malheureusement. Bon, tu n'as pas Par contre, gardé? j'ai vendu mes sols casino. Je vais vous dire la vérité, j'ai vendu mes sols casino. Voilà, je dis la vérité. Je ne vous Tu vends cache tout. rien. Tu vends tout. Tu Bah, sais pas je vais. stacker. Non, je stack pas. Je vais sortir dès que je peux sortir. Là, en juillet, je sors. Je le vendrai aussi. Tu vas rater le grand casino qui va révolutionner la planète. Casino, ça marche toujours, ça c'est sûr. Les rewards de casino sont très bien, mais il faudrait que j'en ai bien plus des sols casino pour que ça soit intéressant. Bah, du coup, moi j'ai acheté je vais commander mon merch comme un petit pigeon. Non, Mais c'est très bien. T'as déjà le merch de Daygods, il te les fallait tous. il me faut tous les t-shirts. C'est Il faut ça. tous les t-shirts. Made in China. Made in China. Donc, En il y en a, plus, la je vais ça. qualité apparemment des gods n'était pas super. La qualité des t-shirts et des suites des gods, c'est pas top. Si, c'est très bien. De ce qu'on m'a dit. De ce Oui, de que ce j'ai qu'on t'a vu. dit. Tu connais beaucoup de holders de Street des Gods. Non, mais bon, ça se voit. Tu vois les photos sur Twitter quand même. Sûr, c'est pas du Gucci ou de la haute couture, mais je pense que personne s'y Pour attend à un ça, quoi. NFT à En achetant 34. un. Non, ça vaut pas 34 des codes. Ça vaut que 10 ETH. Ah oui, que 10 ETH, bah oui. Parce que Du coup, il a 10 combien ça là en euros, ça donne combien ça? Qui regarde en euros, monsieur? Vous n'êtes pas crypto. Plus, non? 94. C'est à 95 sols, malade. 94, 82. On a combien du coup? Attends, je vais te Net. dire. Net sans les filles. Combien? Ah non, merde. Ouais. J'ai loup. 90. Attends, je vais vous le dire. Net, 90 90. fois 17, allez. On a mis 530 $ par NFT. Ce qui est déjà très bien pour un NFT qu'on a payé 150 $ au départ. Ah oui, Ben voilà. toi tu calcules Qui vraiment au dollar. T'as pris calcule. le sol au bon dollar que c'était et. J'ai pris à 17. Oui, mais c'était à 6,9. C'est pas ça, c'est plus que deux Ah fois non, mais moi 6. je calcule en dollars. Je calcule en dollars pour savoir à peu près où on en est en dollars. Parce qu'en sol, oui. En sol, on était à 6,9 sols, mais bon. Oui, quoi qu'il arrive, ça fait un multiplicatif, hein, peu importe. Mais si tu calcules en sol, forcément, t'as encore mieux. Mais moi, je préfère calculer en dollars parce que c'est plus significatif. Parce que c'est facile, hein. 100 sols à 15 euros, c'est pas pareil que 100 sols à 23 euros. Moi, je calcule que En en sol. sol. Ouais, du coup, c'est un peu l'escroquerie là, par contre. Je calcule qu'en sol. Parce que je calcule même en sol et après en prix, je calcule avec un sol à 1000 dollars. C'est tout. Oui, bien sûr. Ouais, ça, ouais, c'est plus pratique, c'est sûr. Bah comme ça, je sais que dans 2-3 ans, je projette sur le yacht que je vais pouvoir m'acheter en fait. C'est quoi déjà les... C'est Les quoi la yachts? technique pour pas payer de TVA sur les yachts déjà? Ah non, les yachts, c'est mort. Les yachts, C'est plus justement, possible maintenant? c'est jamais possible. Justement, les yachts, t'as une catégorie spéciale dans le droit fiscal qui dit Si, que. c'est possible, il y a une technique, j'avais vu en fiscalité, il y a une Non, technique pour les yachts pour pas payer la TVA. justement, le yacht, c'est justement un bien qui, par nature, tu peux rien déduire, tu peux pas le faire passer en charge, tu peux rien faire du tout. Par nature, le yacht, mis à part si tu as Ah une ouais? société, si tu as une T'es sûr société de de toi? yacht, c'est certain. Après, tu peux toujours ton yacht te le foutre à droite ou à gauche avec des sociétés offshore, je sais quoi, pour essayer de faire passer comme ça. Mais non, justement, le yacht, c'est par nature, c'est un bien qui est. Enfin, c'est une Oula, charge qui ne sera je bug. jamais déductible. Oui, tu bugs.
Bah, De... Hugo, Il y a... il y avait une il... technique, je me souviens, j'avais vu un fiscaliste qui en parlait, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait un Non. truc genre, je sais plus ce que Le... c'était, En fait. enfin, je me souviens plus de la technique, mais si vous voulez, je vous invite à regarder la chaîne de mon conseil fiscal, il explique quelle est la technique, si ça vous intéresse. Non, Je les vous mets yachts. le lien en description. Le jour où vous aurez votre yacht, vous pourrez déduire la TVA, vous inquiétez pas, on a trouvé. Il a une technique. Non, sérieux en plus. Il faudrait que je la Non, retrouve. c'est... En vrai, ça m'étonnerait fortement que tu puisses Attends, déduire quoi que ce soit. La seule chose que tu peux tu faire, déduis pas, c'est mais le... y a quelque chose à c'est faire. mettre. Il y a quelque chose Bah, à faire. c'est tu mets le pavillon autre part. Mais sinon, justement, les yachts, c'est par nature, tu n'as rien, t'as rien que tu peux faire en fait dessus. Attends, je vais te le retrouver. Je crois que c'est lui. Attends, je vais te le montrer. Je sais pas si on peut l'entendre. Je mettrai. Évidemment, je vous invite à aller vous abonner sur TikTok et sur YouTube. Mon conseil Tu vois, parce fiscal. que Écoutez. justement, Écoute, 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 écoute. tu vois, les paradis fiscaux ont dans disparu. Je voudrais bien savoir lesquels. Je vois pas Vladimir Poutine aller au Liechtenstein dans un petit cabinet de conseil pour créer une société offshore dont il serait le bénéficiaire. Si vous achetez un yacht et que vous allez avoir recours à un montage qu'on va vous conseiller dans l'île de Malte avec ce qu'on appelle le leasing maltais pour pas payer la TVA sur l'achat de votre yacht, moi j'appelle ça de la fraude. Ils vont délocaliser, ils vont transférer l'argent à Singapour, aux Seychelles, à Dubaï, tout en continuant à le gérer de Suisse, mais en disant, ah, l'argent, il n'est pas en Suisse, le compte n'est pas ouvert là. Moi, si j'achète une maison, j'achète un moment, j'ai pas besoin d'un trust. Et si je l'ai acheté, je ne veux pas la mettre dans un trust. Je vous invite à la chaîne Mon Conseil Fiscal. Ah mince, je peux pas vous montrer, attendez. Oui, mais Je vous invite là, vraiment à du aller coup. regarder la chaîne de Mon Conseil Fiscal. Là, il avait invité justement Renaud Van Runbeke, qui a écrit un livre sur la fiscalité, justement. Et Paradis fiscal et société offshore. Interview de Renaud Rodo. Alors, pardonnez-moi si j'ai. Pardonnez-moi Van ce nom, j'arrive Runbeck. pas à le prononcer. Van C'est Rinbeck, Renaud Van. voilà. Van Rinbeke, voilà. Je vous invite vraiment à aller regarder, c'est intéressant, je trouve. Très intéressant. Donc, c'est sur Mon Conseil Fiscal. Je vous mets la chaîne en description. Mais Allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez plein de contenus intéressants. du coup là, c'est ce que je disais au début, c'est sauf montage Ah, mais offshore. c'est ce que je te Et... disais. Ah C'est oui, bien ce non, que je te disais. Je te non, disais un mais montage moi, offshore. tu me disais en Évidemment. France, mais oui, mais dans ce cas, si tu, c'est ce que je te Oui, dis, t'es si en tu, France, toi t'es tu... français, mais malgré tout tu fais un montage, évidemment. Oui, mais t'es français, ton yacht n'est pas français, et géré par une société non Évidemment. française, et toi, Et tu n'as, en fait, tu n'as pas le yacht, en fait. ça Oui, fait partie mais... du. C'est ce qu'il dit. C'est un leasing en fait que tu fais. Voilà. Oui, non, bien sûr. Mais c'est possible quand même. Et malgré tout, prenez-en. On s'en fout d'ailleurs que tu sois français ou pas. L'important, c'est qu'au final, enfin, le gars, en tout cas, ce qu'il a comme intention, c'est de ne pas payer la TVA. Tu lui dis qu'il est français, que le yacht, il lui appartient pas vraiment, il s'en fout, lui. Il sait que dans sa tête, il lui appartient, en fait. C'est comme à un moment, au tout départ, quand si certains connaissent, sont un peu calés en fiscalité, vous saviez qu'au tout début de la fiscalité, il était possible pour les entreprises de déduire les voitures de luxe, entre parenthèses, vous pouviez avoir des voitures de fonction et vous pouviez les déduire en charge, les passer en charge. À un moment, ils ont verrouillé ça, ils ont dit non, c'est fini. Et puis après, ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils ont trouvé une astuce, qui est pas vraiment incroyable, mais en tout cas, ils ont trouvé l'astuce, c'est de louer en fait les voitures, de les passer en leasing. Et à partir de là, bah, ils ont dit l'État, enfin la fiscalité, enfin. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, le législateur est arrivé à dire non, mais même pour les locations, vous n'avez pas le droit de déduire jusqu'à temps et tout. Donc en fait, oui, à chaque fois, ils trouvent une solution, mais il y a toujours des nouvelles astuces qui arrivent. Entre parenthèses, astuces. Truc et astuce. Bon. Non, ce n'est pas des astuces. Après, c'est de l'optimisation fiscale, mais ce n'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal que tu ne payes pas de TVA sur ton yacht, que tu trouves que plus tu es pété de thunes et plus tu essayes de grappiller pour gagner le moindre centime. Je trouve pas ça normal à titre perso. Après, chacun pense comme il veut, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est du génie et que c'est super, mais bon, vous, toute votre vie et nous, toute notre vie, on va devoir être comme la plupart des gens à se trouver des stratagèmes tout à fait basiques pour payer le moins d'impôts, voire on payera nos impôts comme tout le monde. On n'a En pas Thaïlande. d'avocat fiscaliste attitré, tu vois. En Thaïlande.
Eh bien non, la Thaïlande, c'est pas un paradis fiscal, hein, loin de là. Hein. Ah ouais? Non, c'est pas du tout intéressant pour la fiscalité. Hein. C'est le plus intéressant, si tu veux. Je crois qu'il y avait Singapour, mais tout le monde disait, ouais, non, c'est fini Singapour, mais même lui le dit qu'en réalité, c'est pas du tout terminé. Il y a encore des gens qui trouvent que c'est. Même la Suisse, en fait, c'est encore un paradis fiscal. Même s'ils donnent tes noms, ils donnent tes noms sous certaines conditions. Tu remplis pas ces conditions, ben ils donnent pas ton nom, en fait. C'est comme quand tu dis, quand tu vas sur Mont Pèlerin, c'est pareil. Les mecs, ils te disent, non, mais c'est vrai, quand tu vas sur Mont Pèlerin, c'est pareil. C'est que les mecs, ils te disent, oui, vous allez envoyer de l'argent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Mont Pèlerin n'est pas d'une banque, donc n'a pas les prérogatives, n'a pas les obligations d'une banque, donc ils n'ont pas à donner ton nom et ton prénom comme ça. Par contre, vu que Oui, tu fais mais un après, virement il faut que de la tu Suisse vers la France, c'est différent. voilà. Si tu veux vraiment aller Il jusqu'au faut bout t'équiper de en ton plus vice, avec une si tu veux banque. aller jusqu'au bout, si tu veux aller jusqu'au ton bus, si tu veux aller au bout de ton vice, il faudrait que tu fasses passer Mont Pèlerin, parce qu'ils font des virements internationaux, de la Suisse vers, par exemple, la Thaïlande, ou vers, par exemple, Singapour, ou je ne sais quoi, tu vois. T'as une banque à Singapour? Non, j'ai pas les moyens. Non, le mieux c'est d'avoir une banque aux îles Vierges ou un truc comme ça. Tu Mais fais j'ai ton pas les moyens non plus virement. d'ouvrir un compte. T'sais. Tu t'arrives pas en disant ouais, j'ai 20 euros Si. sur mon compte, je peux arriver et Écoute, ouvrez-moi mon compte. alors j'ai vu un truc, il faudrait que je le retrouve, mais t'as un pays, genre une île en Polynésie où tu peux acheter le passeport là. Et en crypto en plus. Si tu veux acheter un passeport, tu peux acheter un passeport d'une île. Attends, je sais plus ce que c'est. Ce... Faut que je retrouve. Ouais, moi, je vais devoir y aller là, parce que ça fait 2 heures quand même. Vas-y. Il est On 4 heures du arrête. matin ici. Enfin, pratiquement 4 heures. C'est très Bon. bien. On vous fera un tuto sur comment optimiser fiscalement votre yacht, etc. Mais il faudrait déjà que tout le monde ait un yacht et après, on en parlera. Après, ouais, on fera le live. Comment est-ce qu'ils leur savent? Ouais. Genre. C'est vrai, Comment après, payer on fera ces. le live depuis la prison, tu vois. Alors, comment on a fini en prison? On va faire comme l'autre, là, Mila. Comment il s'appelait déjà? Non, c'était pas Mila, c'était. Si, c'était Mila au départ. Comment il s'appelle, là? Lui qui a fait une chute rocambolesque, là, avec son Impulse et son. Ah Comment il s'appelle? putain, Bolzi. Bolzi, ouais. Je peux même pas voir où il en est. Il m'a bloqué sur Twitter, lui. Sérieux, Putain. Bolzi. C'est le seul mec que je connais qui a fait dans la crypto, qui a fait de la prison et qui est revenu malgré tout dans la crypto et tout le monde lui a dit oh, t'inquiète frérot, c'est bien, au moins ça t'a fait de l'expérience. Prison pour escroquerie, mais ça ressort, et finalement, bah, c'était vraiment un escroc. Bah, le coup à la fin du kidnapping et tout, c'était énorme. Pouh, ouais, je m'y attendais pas. Bon, bah, on les attend toujours, nos Bon. impulses. Hein. On attend tout. On attend tout. Prends l'argent. Je crois que. Ouais, on a fait Bon. l'histoire de la taxe carbone, ouais. Pff, lol. Oui, la prochaine. Le cerveau. Le cum-cum de Dubaï. Tu connais Bon, pas allez, ça? moi je vais y aller. Je vous Allez. souhaite à tous une bonne soirée, à plus, on Bonne se retrouve la soirée. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bonne soirée.